J'avais déjà lancé, j'étais en Et train de lancer bah, moi je l'enregistreur. lance. Voilà. Salut! Maintenant. Comment ça va? Comment allez-vous, les amis? Quel gros silence, je vais mettre un peu de musique. Ouais. Je vous montre le dessin d'hier, que je suis assez fier. Je le mets là. Voilà. Bah moi je finis mon dessin d'hier et après je passe à la suite. Voilà. Alors, qui est là? Il y a Xilan. Oh, Xilan! Bienvenue, Xilan. Est-ce que tu es le studio qui produit Oggy et les Cafards? Il y a un gros silence, Camille, je crois que je t'ai perdu. Appel. Ah, Attends, ah je d'accord. suis en train de recevoir un coup de fil en Ah, vas-y. 09 Ah, oula. de la pub. Ouais, je pense. Casse-toi la pub. La musique est J'aime peut-être pas un ça. peu forte. Ah bah alors je suis absolument désolée, le numéro s'est affiché sur ma tablette. Ah, vous avez vu le numéro? Voilà, comme c'était un numéro de pub, on s'en fout de toute Ah, vous façon. pouvez N'appelez ra pas hein, parce que c'est certainement surtaxé. vous pouvez rappeler ce numéro et perdre de l'argent si vous voulez. Voilà, j'ai mis en ne pas déranger, comme ça le numéro ne s'affichera pas sur ma tablette. C'est fou ça. Ouais. Alors, bon, c'est sprout aujourd'hui, qui veut dire germer, pousser. Ouais. Voilà. On va voir ce qu'on va trouver. Pardon. Ah. Oula, ça va? Ouais, c'est bon. J'ai bu un peu d'eau. Il y a apparemment il y a un studio qui s'appelle Sprout Social. Ok. C'est un logiciel qui centralise différents médias sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Bouf. C'est pas le meilleur des noms. Hein. Non. Tu utilises Sprout, toi? Tu utilises Prout. Bah, t'es obligé de dire ça. Tu utilises Sprout, Ouais, déjà? c'est vrai. Non, 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 j'utilise pas Sprout. Sprout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pinter. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Ah, c'est pas dedans, putain. Pa 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 C'est pa pa dommage. pa pa. Qu'est-ce qui évoque Sprout? Ouais. Ouais. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. On peut faire plein de trucs avec Sprout. Bon voilà, moi j'ai fini mon dessin. Là, déjà! Dessin d'hier. Mon dessin d'hier. Eh oui. Bon, allez, on va se mettre en mode dessin. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat. Vous êtes les bienvenus. Nous discutons ensemble avec plein de liaisons Oui, entre parce qu'on les adore mots. les maisons. Je suis très impatiente d'être ce soir pour jouer à Stardew Valley. Le mariage. Le Ouais. mariage, c'est maintenant. C'est maintenant. Bon, bah, je vais laisser comme ça ce dessin là. Il est très bien. En fait, on va encore faire un dessin onirique, et puis voilà. Hein. On va tout bosser dans la lumière, comme d'hab. Bon, allez, c'est parti pour Sprout. Bon,
Bon. Est-ce que tu fais comme moi ou pas? Est-ce que c'est une Je me référence? sens. Est-ce que c'est une référence à un conte? À un conte, non. D'accord, ça va. Bon. Mais c'est une référence à une histoire, mais pas à un conte. Une histoire. Oui. Ah. Une histoire de haricots? Non. Ok, ça va, c'est bon. Un jour, on arrivera à faire la même chose et ce sera tout. Je suis sûr que... Mais en plus, il y a toi, puis il y a aussi mon collègue. Je suis sûr qu'il y a des moments, t'as la même idée. Là. Ah bah... Et en vrai, je serais trop genre... Ouais, trop fort et tout. Ouais, ah bah oui. En plus, tu vois, juste la même chose, mais dessinée par une autre idée, tu vois. C'est trop bien. Ouais. Alors, on va faire quelle feuille? Je suis en train de chercher un peu des refs de feuilles. Les refs de feuilles. Les refs de feuilles. Vous bon, ici, on les refs de juste feuilles. Que je dessine un caca, mais ne vous inquiétez pas. Bah, sprout, hein. Ouais. Faut que j'arrête. En plus, vraiment, je suis sur un... Alors, c'est pas pour dire, mais vraiment, Facebook... Il y a de tout et il y a des gros lourds, on est d'accord, mais il y a des gens ouais. Super cool sur Facebook, tu vois. Et j'ai rejoint le groupe Inktober 2021 français. Et il y en a ouais. Plein qui ont fait la blague avec Prout, sérieusement, en termes de. Ah bah, bien sûr. Et tu fais, les gars. Bah, c'est nul, quoi. Et ils étaient tout contents, tu vois. Ils disaient, ah, j'ai fait ça et tout. Ouais, bon. Génial. T'as pas compris le mot en fait. Ouais. Finalement, effectivement, on en arrive là. Le mot n'a juste pas été compris, quoi. C'est ça. Après, ils dessinent ce qu'ils veulent, hein, mais ouais. Je trouve ça beauf. Ouais, c'est carrément beauf, oui. Mais beauf dans le sens beaufitude. Voilà, c'est ça. Ah, mais je devrais même faire comme ça, en fait. Mais c'est dommage. Comme ça. Champion. Non, on peut faire comme ça. En fait, c'est pas bon ce que je veux faire. Je vais essayer de le dessiner autrement. On va le dessiner à côté. Déjà, là, il y a un truc dynamique un peu mieux qui me branche mieux. Qui me branche mieux, t'as compris la blague? Oh là là. Oui. Je peux avoir des textures là, s'il vous plaît. Tu pourrais avoir des textures. Ouais. T'es déjà aux textures? Ouais, j'ai fini. Putain, c'est pas possible. Tu fais pas de tracés? Non, aujourd'hui j'ai décidé de ne pas faire de tracés. D'accord. Mais bon. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça va toujours être joli de toute manière. Oui, ça se discute. Alors, ta maman était contente de tes dessins? J'ai pas montré mes derniers. Oh bah alors. Mais je lui montrerai peut-être, mais comme c'est Pokémon, tu vois, j'ai pas. J'ai pas trop. Puis, enfin, ouais, non, je vais pas montrer encore. D'accord. Mais je vais lui montrer, hein. Puis ces derniers jours, ils étaient un peu costauds, là, pour moi, donc. Costaud? Ta maman elle était costaud? Ma maman elle était costaud! Non, non, non. Tu te sens obligé de. On rajoutera ça après. Mais déjà, on est pas mal. Faut qu'on fasse plusieurs versions des feuilles comme ça et puis on les collera dessus.
Je parle tout seul, Kevin, je sais. Oui, tu te parles. Bon, je pense que... J'ai un peu réécouté le passage Fabrice Luchini et j'ai rigolé tout seul. Bah oui, il y avait de quoi. Il y avait de quoi. Je pense que vous allez deviner rapidement ce que ça peut être. Oui. Hein? J'ai dit oui. Ah. Attends, tu veux que je regarde, moi? Si je trouve, je dis pas. Je sais pas si tu vas trouver tout de suite. Ok, alors attends. Vas-y, je veux bien que tu regardes. J'arrive. Attention. J'arrive. Ah, caca. Je sais ce que c'est. Penses... C'est Harry Potter? Ouais. Ok, voilà. J'avais peur que tu me dises c'est un caca, donc moi ça me va. C'est Harry Potter. Mais faut se boucher les oreilles. Oui, est-ce exactement. Qu'on peut entendre un dessin? Est-ce qu'on peut entendre un dessin? Je pense que oui. Moi, je l'entends, la personne. Ouais. Je l'entends déjà. Ouais. Mais ça pousse pas, c'est un bébé. Ça pousse, mais d'une certaine manière que t'as pas trop envie de... Ouais. Hein? Effectivement. Du coup, on y rejoint, hein, toujours. Hein. On y revient. On y revient. Je réfléchis vraiment. Sherlock. Moi, j'adore réfléchir. Bon alors, Docteur Who? Ah là là, quel plaisir d'y revenir. David Tennant qui revient bientôt en plus. David Tennant qui... Comment ça? Il revient bientôt avec la suite de Good Omen. Ah, d'accord. Ah. Non mais j'ai cru que tu me parlais de Doctor Who en fait. Ah oui, qui revenait dans Doctor Who, ça aurait été trop et bien. Oui. Et je me disais, comment je suis pas au courant? Je suis au courant avant toi, Karine. Oui. C'est lui qui m'a dit. Et surtout, c'est quoi la première chose que je me suis dit même, c'est comment Alexandre Mee n'était pas au courant et m'a pas partagé l'information. Parce que c'est souvent le premier à me partager des trucs sur David Tennant. Et parce que c'est David Tennant qui me l'a dit. Ah oui, alors là. Je l'ai... Personne d'autre, ouais, ça va. Je l'ai appelé, il m'a dit... Je l'ai appelé parce qu'il fallait qu'il me rende un livre. Ouais. Oula, alors c'est pas dans une impro totale qui va pas du tout. Mais bon, je l'ai appelé parce qu'il devait me rendre un livre de cuisine. Parce qu'il voulait cuisiner un truc qu'il trouve pas du tout en Angleterre. C'est genre du fromage, tu vois, bien, bien français. Moi j'ai un livre de fromage. Parce que j'ai un livre pour fabriquer du fromage. Ouais, pour fabriquer du fromage. Parce que j'ai des chèvres. Bah oui, oui. Depuis qu'on joue à Stardew Valley, ça m'a donné envie et j'ai acheté des chèvres, tu sais, sur ma terrasse. Ouais. J'ai mis trois chèvres, donc j'en ai appelé un El Kebab pour faire référence. et ouais, honnêtement, la dernière fois, du coup, je l'appelle en visio et puis il me dit hey, c'est quoi que j'entends en fond là? Alors, du coup, je lui ai montré. Je lui ai dit, bah tiens, ça c'est El Kebab et tout ça. Il fait, mais pourquoi t'as des chèvres sur ton. Et du coup, je lui ai expliqué, je lui ai dit, bah. J'ai un bouquin de cuisine du fromage, il savait pas ce que c'était le fromage, parce que chez lui... Ouais, y'a pas ça. Non, c'est pas fou, hein, le fromage... Il dit du cheddar, non, j'ai vu du fromage de chèvre, je connais pas. du coup, il a dit, ah putain, c'est trop bien, et tout, et je fais, si tu veux, j'ai un livre. Du coup, je lui ai fini le livre, la dernière fois, il est passé. Il a caressé El Kebab, d'ailleurs, il était content. Oh. Ouais. Mais il est très gentil, très très gentil. Bah, il a l'air. Et du coup, je lui ai fini le livre. Ouais. Et là, du coup, je l'appelais pour savoir parce que j'ai besoin un peu. Comme on fait bientôt le live cuisine. Oui, bah oui. Je lui ai dit j'aurais besoin un peu du livre de cuisine au cas où il y a du fromage à faire avec les lasagnes qu'on va faire. Ouais. Peut-être. Normal en même temps. Ouais. Normal. Et du coup, il m'a dit ah, ok, pas de soucis. Bah écoute, si tu veux, j'ai aussi une info exclusive. J'ai bientôt, comme tu m'as filé du fromage, c'était bien bon à faire et tout. Ouais. Good Omen qui revient bientôt. Il m'a dit ça. Ah oui. Et après, il m'a dit, dis à Camille qu'elle me manque un peu. Donc, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'était gentil. T'inquiète, moi je sais.
Ah là, voilà. Coucou Kevin, comment ça va? Salut Kevin! Des gens qui arrivent en cours d'une anecdote comme ça. Oui. Bon, paniquez pas, pour l'instant, c'est vraiment moche. Je sais pas, en fait, je sais même pas si à un moment ça va être joli en vrai. Pourquoi des fois ça me fait de la merde comme ça? T'es obligé de décaler légèrement un petit point, tu vois, ça remarche après. T'as du caca. Comment allez-vous? Je vois qu'il y a trois personnes dans le chat. Qui êtes-vous? Identifiez-vous. Je vous demande de vous identifier. Je ferai une autre version de feuille, hein, vous inquiétez pas non plus. Moi, je m'inquiète vraiment très fort. Ben, inquiète-toi, vas-y. Je m'inquiète! Ouais. Ah, Ouais, mais écoute, là, ça va, t'as l'air très très inquiète. Je suis méga inquiète là, je panique. Hein. Et pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Eh oui. Mais pourquoi j'ai ce pinceau-là? C'est où? C'est où? C'est où? Pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Ok. Alors. J'ai mangé un clown aujourd'hui. On va essayer de faire un truc fiche de prends comme ça. Salut Anto le malin, comment ça va? Il y a Anto. Merci Kevin pour les 50 bits. Il y a Anto le Merci malin. beaucoup. Comment vas-tu Anto? Oh là là. Alors bon. Anto le malin, je suis sûr que quand je fais un quiz culturel, il sera super fort. Avec un Ah pseudo comme bah ça. c'est obligé, avec un nom pareil, c'est T'es obligé. obligé de gagner, Anto le malin. Et d'ailleurs, ça tombe bien, j'en fais un vendredi. À quelle heure, dis-nous? Le soir. D'accord. Je dirais à 21h30, histoire de me laisser le temps de préparer les questions. Ok, ça marche. Vous êtes tous dispo à 21h30? Moi, oui. Alex, il savait pas. Du coup, il m'a proposé New World, mais du coup, on jouera samedi à New D'accord. World Moi. et éventuellement avant le quiz. Ça marche comme ça. Moi, j'en profiterai samedi pour préparer Halloween. Voilà. Et ce sera parfait. Papap. 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 Ah, Fabien, fais ta pub, vas-y, te gêne pas, dit Kevin. Bah après j'ai le droit. Et Anto dit, ça dépend ce que l'on entend. En termes de culture générale, j'ai jamais été très bon au Trivial Pursuit. Et Oui, bah oui. culture bah justement c'est de la culture générale un peu globale. Hein. Il y a vraiment de tout. C'est un peu la surprise de thème. La dernière fois c'était un peu dans le style Burger Quiz, les questions. Ouais. On a appris un peu plein de choses et tout. Moi-même en rédigeant les questions. Et sinon, alors, du coup, ta journée s'est bien passée, t'as fait quoi de beau? Bah écoute, ce matin j'ai bossé. Ouais, ça s'est bien passé. Ouais. Comme tu sais, les embrouilles des collègues, comme Ouais, d'hab. ça faudra que tu me racontes en off.
Voilà. Bah, après, c'est genre juste une collègue. Et je me suis rendu compte que j'avais été trompée par cette collègue. T'avais été Parce qu'on quoi? m'a trompée par cette collègue. Ah bon? À Bah, ce parce point? que bon, au début de l'année, elle m'a raconté toute son histoire. Ouais. Et en fait, quand j'ai expliqué à mes collègues que je me trouvais un peu coincée entre elle et la directrice à cause d'une sombre histoire de porte, Oui. parce qu'elle veut ouvrir la porte et la directrice non. Bref, mes collègues m'ont dit non, mais t'as raison, t'es obligée de faire comme elle, parce que sinon les parents ils vont se demander pourquoi il y a une maîtresse qui ouvre la porte d'un côté et pas l'autre. Ouais, bah oui. Et moi je me trouve embêtée par rapport à la directrice. Mais toutes mes collègues m'ont dit que la directrice allait comprendre si je D'accord. faisais comme la maîtresse parce que... Ouais, bien sûr. Bah parce que sinon ça finit en c'est moi la méchante par rapport aux parents parce que je veux pas ouvrir la porte d'un certain côté quoi. Ouais, bien sûr. Bon bref, Putain, du coup... ces histoires de ouf en maternelle, oh là Ouais. là! Et du coup j'ai appris que tout ce qui m'avait été raconté en début d'année par ma collègue... avait été tournée en sa faveur, qu'elle s'était bien fait passer pour une victime, comme je me l'étais demandé en fait, mais Ouais. Donc c'est voilà. laquelle du coup qui s'était... La directrice ou l'autre? Non, la directrice, elle a rien à voir, enfin Elle est voilà, plus c'est propre. l'autre, c'est la collègue que je complète. D'accord. On m'a mytho. Oh là là, On m'a mitochondrie. mytho, Aïe ouais. aïe aïe. Alors, qu'est-ce que je lis? Alors, ça va tranquillement et toi non? Eh ben moi ça va du coup. Genre, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Oui. Alors... Et attends, t'as école le mercredi chez toi, Camille? Oui, on a école le mercredi matin. Et ce qui me permet de terminer plus tôt les autres jours parce que du coup les heures, bah, on fait tous le même nombre d'heures, c'est juste que nous on les fait sur le mercredi matin. En gros, Et les questions, pardon, juste pour finir, vas-y, les vas-y. questions quiz, ça vraiment, c'est n'importe, ça peut être tout et n'importe quoi. Je te conseille de regarder le replay du quiz si tu veux. Me Quiz faire une idée culturel, si quoi. tu veux te donner une idée un peu des thèmes de questions abordés. C'est vraiment ça. Il y a tous les thèmes, hein. Il n'y a pas que sport, enfin c'est vraiment tout, tout. Politique, des fois, voilà. Ouais. Et ouais, du coup, pardon, je t'ai coupé. Non, non, rien. Juste un tantôt qui disait ça finit en octogone. Ouais, mais c'est pas loin parce que la directrice elle est en train de ramasser des preuves en fait. Ah ouais. Pour C'est les pour ça collègues, que. en fait, toutes les collègues lui disent de porter plainte. Ah oui, d'accord. Voilà. Pour Donc, moi, diffamation? ouais, bah, je sais pas trop, pour harcèlement, peut-être. Moi, aujourd'hui, j'en ai discuté avec beaucoup de collègues qui Ouais. ont toutes compris ma situation et qui m'ont toutes dit que, enfin, tu vois, elles ont toutes bien vu que vraiment j'étais mal, quoi. Ouais, Enfin, bah oui. mal moralement, je m'en fous. Enfin, voilà. Mais dans une situation vraiment compliquée, quoi. Ouais. Mais voilà, s'il doit se passer un truc, bah tant pis, parce que de toute façon, je sais que j'ai le reste de l'équipe derrière moi, donc... Et la directrice. Ouais. Et l'inspectrice. Si, si. Donc je m'en fous. Alors, pouce Mais de Harry. apparemment, il y a quelques années, ça s'insultait dans la cour de l'école. Hein. Oh là Les maîtres... là. Entre la Devant les maîtresse et leur... élèves, c'est génial ça. Bah je... J'ai un doute. Bravo. Bravo les. Ouais, Bravo le veau. j'ai un doute. Mais voilà. Mais entre la maîtresse qui est partie et la maîtresse qui reste. Enfin bon. C'est fou. Moi, j'ai décidé que tant que ça me concernait pas, je restais Tu t'en foutais. entièrement neutre. Voilà. Tu es libre. Ouais. Libre comme l'air, va comme le vent pile-poil. C'est pas à moi de gérer leurs histoires. Ouais. Je veux juste pas que ça me retombe dessus par rapport aux parents, quoi, parce que moi j'ai rien demandé. Comment ça va le Kevin? Ça Xbox bien? Est-ce que vous savez ce que c'est? Fabien, il a trouvé. J'ai trouvé, mais genre en 2 secondes. J'avais juste mis le marron en plus. J'avais pas fait les contours, j'avais rien fait. Ça ressemble juste à un caca quand Fabien il a trouvé. J'ai pas dit caca, par contre. Non, non, non. C'est moi qui l'ai dit. Hein. Ah! Putain, 2 secondes. Exactement, c'est le bruit que ça fait à peu près.
Elle s'est fait surprendre. Excusez-moi. Mais j'ai jamais dit que ça parlait mal de Xbox. J'ai dit, est-ce que ça Xbox? À quel moment j'ai parlé mal de Xbox? Effectivement, Anto, c'est bien une mandragore. Félicitations. Bah merci beaucoup Kevin, il me dit ça parle mal de Xbox ici, puis après il me donne 50 bits. Merci beaucoup pour les 50 bits. C'est bon, moi aussi je parle mal de Xbox, c'est une... Non, mais calme, j'ai pas parlé mal de Xbox. Je sais. J'ai juste dit que c'est une console. La Xbox, c'est une console. Wow. Et moi je dis des vérités qui sont pas belles à entendre. Ah, elle dérange. Vas-y, clash, vas-y, Kali, vas-y. Et la manette de la Xbox, elle est noire avec du vert. Oh, oh, oh. Je les reprends. Attention Fabien, la fessée est pas loin. J'y fais pé. Camille qui insulte pour avoir des bits, ouais, exactement. Et là, c'est la pire insulte en plus pour la Xbox, franchement c'est ouf. Hein. Oh, ouais, la Xbox, elle est hyper performante. Wow. Aïe. Tiens, moi j'aurais eu mal à ta place. Aïe. Je l'ai traité de performante. J'aime bien la manette de la Xbox. Oui, non mais c'est ma manette préférée. Non, mais moi aussi, j'adore la manette de Xbox. Je la préfère à celle de la PS4, c'est clair. Ah bah moi largement, très clairement. Après, bon, je dis pas, la manette pro de la Switch, elle est vraiment stylée. Ah oui, la manette pro, ouais. Aussi. Noir avec du vert, la mienne est rose en ce moment. Ah, elle est rose en ce moment? Ah, qu'est-ce qui se passe? Encore mieux. T'as pris quelle version? Au moins, Xbox, t'as pas de problème de shadow. Bouah! Mais en fait, par contre, il critique vraiment, il t'insulte vraiment. Oh, j'ai pas de problème de shadow. Vexé, tu sais. Et puis, j'ai pas créé shadow, donc je m'en fous. Bah, lui, il a pas créé Xbox? Non, je sais. Enfin, peut-être que si, peut-être que ouais. Tous ces bits viennent de là. Ton père qui a créé Xbox. Ok, alors. Là, c'est le moment qui va être un peu compliqué parce que c'est le moment où on va faire les yeux de la mandragore et tout ça. Ça va être dur. C'est moi qui a créé. Je suis son père. Ah, tu es le père de l'Xbox. Tu es Monsieur Box. Tu es Y-Box. Non, tu es... Avant, W. Ouais, W-Box, mais ça sonne pas bien, donc c'est pour ça que c'était pas beau. W-Box. W-Box. À quand la Y-Box et la Z-Box? Moi j'avais appris. On dirait un visage. J'avais appris que la PS1 est née d'un refus de Nintendo envers Sony de laisser Sony faire une console de jeu en gros. C'est vrai? En gros, à la base, ils avaient été approchés par Sony, Nintendo, pour qu'ils fassent une console de jeu. Ouais. Et en gros, ils leur ont dit fuck. Je crois, Nintendo. Et du coup, ils ont fait la PS1. Bah, en vrai, pour la diversité des consoles, c'est pas mal, hein. Ah bah, grave. Ça va voler ce soir sur Stardew, là. Ils m'ont chauffé, les deux PC. Mais à quel moment on a été méchants? Tu réécouteras ce qu'on a dit. On a été super gentils. Que des gentillesses. Ah ouais, on a dit que des vraies gentillesses, mais sur un ton de... juste sur un ton énervé.
Ça va voler des télés là. Ça a pris la grosse tête depuis leur sélection aux événements. Ah putain, mais on voulait garder ça secret. Kevin, on t'a dit de le dire à personne. On avait même dit à Zerator de pas, en fait, de pas l'annoncer mais, lui-même. Voilà, c'est ça. C'est, on voulait parce que c'était un trop gros event. Et on lui a dit non, s'il te plaît. On aurait du mal à gérer l'affluence avant le The Event. Bah ouais. Du coup, Kevin, on t'a dit de pas le dire. La musique du JDG. Moi, j'entends que du sel. T'entends que du sel, sérieux. Non, moi, je suis plus piment d'Espelette, en vrai. Ouais. Du bon piment d'Espelette, du paprika. Ouais. Bon, paprika, moi, je trouve que ça a pas de goût, là. Ouais. J'ai pas d'avis. Allez, on part dessus. Sur une guerre des épices. Allez, guerre. Ouais. Oh, le curry, c'est surcoté. Non, le curry, non, c'est vraiment pas surcoté. Oh, c'est trop bien. C'est trop bon. C'est trop bon le curry. Mais je crois que c'est le meilleur épice. Ouais. Si tu devais être un épice, tu serais quoi, Camille? Moi, je serais le cumin. Et moi, je serais Mewtwo. le cumin. Ah, le cumin. Non, pas du tout. Je cherchais un nom. Ah, d'accord. Je réfléchis. Oh, le gingembre. Oh, moi, je serais gingembre. Ah, tu serais gingembre. J'adore le gingembre. Le gingembre. Le gingembre. Ouais, non. C'est gingembre qui donne la gaule, non? C'est ça? Oui, c'est vrai. Ouais, non, mais c'était la question. J'avais... bah voilà. Parce que je suis comme ça, moi. Voilà. J'avais fait la blague à mon frère, je lui ai fait manger du gingembre et j'ai fait attention là, tu vois. Et puis il a fait, parce que c'était la première fois qu'il mangeait du gingembre et tout. Ouais. Et il était tout petit, il a fait mais putain et tout. Et en fait, oh. Il se passe rien, il avait trop peur. Mais oui, c'est juste aphrodisiaque en fait. Je suis maléfique. Ouais. Pou 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 le boule pou pou. Ça va, c'était pas trop dur au fait, Kevin, de se lever la dernière fois. C'était. Je crois qu'il fait ça souvent. Je crois qu'on avait. On a fini super tard, c'était vendredi soir. Oui. Et tu t'es réveillé à 4h du matin. J'ai pensé à toi quand je me suis réveillé à 10h. Oh. Un peu salaud, mais en vrai, pour de vrai, j'ai pensé à toi. C'est une gentille pensée. Ouais. Mais c'est un peu salaud, mais j'ai pensé à toi pour de vrai. Ce sera ce soir les mariages. Oui, tout à fait, ce sera ce soir. Oui, là, c'est ce soir, c'est sûr, hein. Mais c'est sûr. Tous les soirs, c'est comme ça. Fabien. Oh. Mais je sais pas comment tu fais, hein. Au bout d'un moment, je serais crevé. On me ramasserait à la petite cuillère. Pitochette. Alors cette vanne, ça fait mal. Mais c'est pas, c'est vraiment pas une vanne pour de vrai. Par contre, vraiment, c'était. Mais c'était une gentille pensée pour toi. C'était une gentille pensée, mais du coup, oui, ça fait un peu mal. Je suis d'accord. Bah je ferme les yeux et je dors. Et... Tu fais comment toi? Je te demandais pas comment tu dormais, mais comment tu tiens la journée. Moi en général pour dormir, je fais 3 tours sur moi-même. C'est à cloche-pied. C'est ça. Ouais, hein. Quand même. Bah tu fais combien toi? Tu fais combien de tours toi quand même? Moi 3, toi 3, moi j'en fais 1,5, ça me suffit. Hein. 1,5, ouais, mais après tu te retrouves dos à ton lit, c'est pas pratique. Oui, mais alors. Ouais, mais en fait, je fais 1,5 tour comme ça.
Mais après, j'en fais 6 dans l'autre sens. Ah, waouh. Un demi encore dans l'autre sens. Ah ouais. Du coup, ça me ramène comme ça. D'accord. Et après, je tourne, mais pas rouler sur moi-même, mais entièrement comme une horloge, tu vois, dans mon lit. Ah oui, d'accord. Mais est-ce que tu te mets à l'heure? T'es à l'heure? À l'heure exacte? Oui. D'accord. En fait, souvent, je me couche pile pour avoir à faire 4 tours entiers. Ouais, quand c'est minuit, c'est parfait. T'as les bras en l'air comme ça, t'es tranquille. Voilà. Par contre, du coup, c'est vrai que c'est un peu chiant quand il est 4h du matin. C'est un petit bah peu là, dans ces cas-là, je calcule, mais ça dépend de la lune. Ouais. C'est trop chiant. J'ai une application pour ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est hyper chiant. Tu dois pas bien dormir, tes nuits, elles sont... Bah, ouais. Elles sont agitées. Enfin, moi ouais. Surtout, je pense à Jess. Le pauvre. Lui, il doit avoir du mal, hein. Oui. Apparemment, je l'ai presque insulté cette nuit dans mon sommeil. Parce qu'en fait, il était en train de se coucher. Enfin, on s'est couché en même temps, quasiment, mais en fait, il était en train de s'endormir. Et il a voulu enlever un coussin qui est un peu trop gros, en fait, qui lui faisait mal au cou. D'accord. Et en fait, en l'enlevant, il a fait tomber tout ce qu'il y avait sur sa table de nuit. Ah, ça t'a... Et moi, ça m'a un peu réveillée, ouais. Mais pas trop. Et du coup, j'ai fait genre, oh, c'est pas possible et tout. Ah, encore toi ? Il me dit, oh, je suis désolée. Et je lui dis genre, Faire. Tu m'as réveillé. Et après je me suis rendormie. Genre 3 secondes après, tu vois. Et Kevin il a dit, moi j'allais dire que je pense aussi à toi, mais on va s'arrêter là. Ah. Oh là là. Et la matinée, ça va. Ok, la matinée ça va. Moi j'ai déjà fait me lever tôt à 4h du mat pour aller bosser dans un supermarché. En vrai, ouais. Honnêtement, c'est trop bien. Enfin... Je trouve qu'il y a un côté, une sensation que je retrouve plus du tout maintenant. Mais ouais. Il y a un côté, tu te lèves avant le monde et tu sais, genre, tu bosses pendant que les gens ils font rien et t'as un côté un peu supériorité qui s'installe, tu vois. Alors, genre, ouais, un peu roi du monde. Est-ce que ça te faisait pas ça parce que, genre, tu bossais pendant tes vacances et tout? Mais bien sûr, c'est tout à fait. Non, mais oui. Moi je le faisais pour bosser quand je bossais à la piscine. Ouais. C'est pareil, on se levait super tôt. Bah j'emmenais Alexandrine, on bossait ensemble. Ouais. Mais bon, ça serait maintenant, je serais pas aussi enjouée, tu vois. Ouais, mais je pense que j'aurais toujours cette sensation. Parce que de se lever tôt, tu vois, à la lueur du soleil d'été. Alors, parce qu'en hiver, ça doit être horrible. Ouais. Mais à la lueur du soleil qui vient de se lever. Ouais. Je sais pas. Mais ça, je pourrais pas te dire. Alors, je vais faire des calques. Il faut que je fasse aussi mon dernier petit bonhomme. Regardez ce petit bonhomme. Il en a fait du chemin. Oh non, Camille, t'as dit exactement la même chose? Oui. Putain, enfin, non. Moi j'ai dit ce petit bonhomme de chemin. Toi t'as dit il en a fait du chemin. Ah oui. C'est ouf. Voilà. C'est quand même fou. Du coup, Anto qui dit toujours motif pour Inktober, est-ce que je vois? Bah écoute, Ouais. Plutôt. En vrai, ça va, hein, pour l'instant. Le chien de Mickey. Oh ouais. Kevin, merci pour les 4 bits. Merci beaucoup. Pour l'instant, j'ai pas perdu la motif du tout. Tu sais que mon chef, il a enfin vu que je mettais mes dessins sur le mur. Et ah ouais? Ouais, alors que ça fait depuis le début presque, tu vois. Ouais. Et il s'est arrêté, il a fait « Oh, c'est pas mal ça !» Et j'ai fait « Oh !» J'étais trop content. Ah. J'étais « Oh !» Trop bien. Il est gentil, il a dit un compliment. Il a dit pas mal. Ouais.
En plus, d'habitude, ça, il extériorise pas trop ce qu'il dit, tu vois. Ouais, ce qu'il ressent. Et du coup, là, ça veut dire beaucoup, tu vois. Pour moi, ah bah oui. Ah bah, il jouait du piano debout, en plus. Donc, du coup... je sais pas toi, mais en général, ça veut dire beaucoup. Ah bah oui, moi, les gens qui jouent du piano debout, tout de suite. Ça apporte un certain charme, quoi. Ça, c'est bon. Du coup... c'est quand qu'on fait la rencontre, la sortie sur Minecraft Eh oui. Avec les abos. Eh oui, je sais pas. Parce que, en gros, ouais. Pour ceux qui sont motivés et qui ont Minecraft installé, on va faire un tour à Disneyland avec vous. On prendra des gens avec nous sur Discord. On verra, mmh. On pourra pas prendre tout le monde, mais en tout cas, tout le monde sera invité à rejoindre le serveur. Mmh. Et puis on fera une sortie à Disneyland tous ensemble. J'ai vu avec le gars du serveur, il n'y a aucun problème, on peut le faire. Ah, très bien. Oui, bah j'imagine que ça les rend plutôt contents de ouais, ça. Ouais, exactement. Et donc, si ça vous dit, il faudra qu'on organise ça. On fera un peu plus de promo. Ouais. Peut-être pendant le truc de cuisine. Le stream ouais. cuisine. Non, le stream cuisine, c'est samedi là. C'est pas la semaine prochaine, c'est ce samedi. Ouais. Non, la semaine prochaine, c'est Halloween, donc du coup, on sera en off. Moi, je vais être off tellement de jours la semaine prochaine. Ouais, moi aussi, hein. En vrai, moi aussi. Oh bah, non, en vrai, non, c'est con, je dis ça, mais jeudi dans la journée, je pourrais stream, vendredi dans la journée, je pourrais stream. Samedi, je pourrais stream dans la journée, et dimanche, je pourrais stream le soir. Ouais. En vrai, non, ça va. Donc je m'excuse d'avance pour notre non-présence sur cette fin de mois, mais c'est pour vraiment pour faire des projets hyper cool. On aura plein de trucs à vous raconter à notre tour en vrai. Ouais. Même pas un stream spécial Halloween. Je me tâte à filmer Halloween. Ouais mais tout le monde sera pas forcément ok. Non mais je pense que tout le monde sera pas forcément ok, c'est pour ça que je me tâtais. Ouais. Mais je pense pas, en vrai. Honnêtement, je pense pas. Bah ouais, je doute un peu quand même. Déjà que moi, je vais être hyper stressé à gérer le truc. Ouais, si en plus tu dois filmer, non. Voilà. Non, et non. Puis en plus, il faut que ça reste... Non, c'est un événement... En vrai... C'est un événement privé. C'est con, mais... C'est un événement privé, c'est exactement. Un événement entre amis, on peut... Imagine, genre, si tu filmes Halloween, on peut rien, enfin, tu vois, on peut pas se raconter des trucs, quoi. Non, mais c'était pas le but. Oui, hein. C'était juste là une réflexion que je viens d'avoir, là, de ce coup. Non, mais je comprends. Mais c'était pour aiguiller ta réflexion. Ouais, mais c'est parti. Merci beaucoup. Mais de toute façon, tu vois, j'avais déjà cette conclusion en 2 secondes quand je l'ai dit. J'ai fait bah non. On est bien d'accord. Déjà que je stresse énormément là de le faire juste pour vous, tu vois. Si oui. En plus, il faut que je gère des viewers. Bon après il faut pas que tu te mettes la pression non plus hein. Non je sais que de toute façon ça change rien que tu le dises ou pas. Voilà. Mais oui. je veux dire même si se passait un truc personne se dirait ah Fabien il a tout raté personne se dirait ça tu non, vois. Je sais mais bon. Mais je sais bien que c'est normal de stresser par contre, tout mais cette année voilà, je pense que je prendrai quand même des photos parce bah que je regrette de pas avoir pris assez de photos de la murder party. Bah oui, non, mais bien sûr. Mais ça reste dans notre mémoire, donc c'est cool. Oui. Je sais pas où ça va nous mener au bout d'un moment. Ça va un meurtre. ça va nous mener, on va rencontrer le président des États-Unis. Et on va rencontrer Emmanuel Macron et on va traverser la Corse. Ah yes. Bah si tu extrapoles à chaque fois. Oui. Mais tu parles de quoi? Tu parles du stream ou tu parles d'Halloween? D'Halloween parce qu'à chaque fois j'essaie de vous proposer un truc de mieux en mieux. Après le stream peut-être hein, aussi. Après moi j'avoue je suis pas chaude pour traverser la mer et tout hein. En live. Oui, moi je suis bien dans mon petit confort on va dire. Ouais, moi je veux bien traverser un jacuzzi. Ouais, voilà.
maintenant. Sprout à vous, les amis. Dit Tanguy. Coucou Tanguy, ça va? Salut Tanguy. Oh Tanguy qui est là, ça fait super longtemps. T'as plein de trucs à nous raconter? Comment vas-tu, Tanguy? Le haricot magique, c'est quand même l'histoire la plus stylée des contes, on va dire. Cool. Ouais. Non, trop fort. Je sais pas si c'est parce que je l'ai trop raconté ou trop entendu, mais non. Elle me fait chier de ouf. Ah ouais, ouais. Non mais juste quand tu te l'imagines, tu vois. Après oui, le principe est très stylé, c'est sûr. Ça va bien et vous, donc Eva, ça va, merci. Ah. Oh là là. J'ai fait la surprise lundi, donc il est un peu libéré du stress. Ah, trop bien, ah. Ça a marché alors? Alors, ils ont dit quoi? Ah, je sais trop raconter. Pour moi, c'est un truc de géant, donc il vraiment le porter comme ça. Allez. Ah, tu veux me faire tuer. Hop. Je vais juste regarder un truc. Par curiosité, combien de temps va mettre le plat que je dois faire ce soir? Parce que. Ah. Il s'agirait quand même pas d'arriver en retard. Pour Stardew Valley. C'est vrai qu'on a commencé tard. Hein. Ouais. Oh putain, oui. Non, ça va. Quand même. Non, ça va, tranquille. Oh putain, Kong. Putain. Oh putain, bonne mère. Organisé comme du n'importe quoi et ça a marché nickel. Ah bah trop stylé si ça a marché. Si ça a marché malgré l'organisation. En fait on va juste faire une silhouette de château. Ça on sait pas trop ce que c'est, ça sera plus simple. Un truc. C'est un château chelou. J'ai dessiné un château comme un cactus. C'est le château cactus. C'est marrant. Je sais pas comment faire. Référence. Non, voilà, on va faire comme ça. Marche pas? Je suis pas fan. Je suis pas fan de château. On fera un truc sur le moment. Ah ouais, non, ça marche pas du tout. Tant pis. Alors, mes 5 secondes de bug dans leur regard était magique. Ah, trop stylé. T'as filmé ou pas? Bon, tu l'as engueulé. Non! T'as filmé ou pas? Non, mais oh, non! Oh, wesh! Eh! Eh, hey, vas-y! T'as filmé? Oh! Vous avez tous l'impression que je vous engueule à chaque fois, mais c'est mon entrain qui fait ça. Ouais. Valentrain. C'est Valentrain qui fait ça. S'il se met au stream, ça sera ça. Son CD. Ouais. Obligé. Qu'est-ce que je fais? Mon maîtresse, j'y ai pas pensé. Oups. Grave, déjà tu nous racontes, c'est cool. Tabernacle, il n'y a pas pensé. que faire? Tu es coincé? T'es coincé? Je suis coincé. Ah bah, parce que j'ai fini. Oh, j'ai fini, maîtresse. J'ai fini. Maîtresse.
Maîtresse. Maîtresse. Maîtresse. Maîtresse. Ça doit trop marrant. Tu dois entendre ça toute la journée. Ouais. Bah, pas aujourd'hui, ça va. En fait, tu te rends compte quand même que il change de ton juste pour te faire chier, tu vois. Bon. Maîtresse. Ouais. Maîtresse. 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 Ouais. Ah, il monte d'un demi-ton juste pour être relou, okay. En fait. Bah, juste pour, ouais, se dire, bah, elle m'entend pas, je vais changer. Pas de soucis, Tanguy. À tout de suite. Et Kevin qui dit, je s'appelle Goutte. Je s'appelle Goutte. Pourquoi, c'est une goutte que tu fais? Non, je suis tombé, il a dit, je s'appelle Groutte, je pense. Ah. C'est moi qui troll. Bah voilà, j'ai fini. Non. Si. Non. Si. Non, je t'assure que t'as pas fini. Oh là là, c'était dur aujourd'hui. C'est vrai, t'as pas fini? T'as fini? De quoi? Oui. Non, mais pour de vrai? Putain, je suis dégoûté. C'est faux. Mais si! C'est vrai? Je vais rajouter du texte. Attends, je vais rajouter du texte. Je suis dégoûté. Vas-y, rajoute du texte. Madame, merde, j'ai fait des dessins et fini. Alors attends, je vais voir, vas-y. Vas-y. Ah, c'est pas fini, y'a pas Harry Potter. T'as pas faut que je dessine Harry Potter. Ouais, t'as pas fait la lumière. Ah, merde. Ah. J'y suis, je fais les ombres. Ouais, mais tu peux lui donner du volume encore plus. Ouais. Moi, j'ai pas envie. Oui, c'est vrai, si, c'est vrai. alors. Non mais pourquoi j'ai... Non mais j'ai pas du tout envie d'écrire le nom du truc. Qu'est-ce mais t'es pas obligé, vraiment t'es pas obligé. De quoi? Ah non non, je parlais du nom, j'étais en train d'écrire un truc et c'était moche. Cette mage d'iPhone horrible JPP. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait la mage? Qu'est-ce qu'elle a la mage? Elle a fait le buzz sur l'internet. Voilà. Catastrophe. Alors. Oh, ça c'est un chien qui est triste. Qu'est-ce qu'elle a fait la mise à jour? Quel suspense. Ce ouais. Suspense est insoutenable. Non, c'est celui-là en fait que je prends. Non mais vas-y, je vais trouver un autre dessin à faire, je pense. Ouais, sinon tu vas te faire chier parce que vraiment je suis vraiment loin d'avoir bah, fini. Bah oui. Non mais... En même temps, en fait j'étais pas inspirée et du coup, je me suis dit je vais faire un truc simple, tu vois. Et en général, quand je me mets genre dans un truc genre type aquarelle, bah... Ouais. J'y passe pas 6 heures. Ouais. Non mais j'ai remarqué ça quand même. Non, non, en vrai... Tu passes ouais. Vraiment pas 6 heures, hein. Moi, ouais, j'y passe pas non plus 6 heures. Hein. Oui, non, mais je sais bien. Hop là. Non, mais je suis déçu, t'as déjà fini. Ouais. Ah, ce film. Il est joli. Merci, c'est gentil. Tu vois, c'est un truc de base, voilà.
Je sais pas si. J'ai signé, puis après je vais prendre le thème d'une autre liste. Ouais. Je sais juste un truc. Trop bizarre. Est-ce que j'ai recommencé à écrire Goldfire Po mais de la mauvaise manière? Pourquoi? Je sais pas, je me dis des fois. Non, ça va. J'ai pas fait l'erreur. C'est bon. Je vais voir ce que tu fais. Quel beau haricot qui a poussé. T'as vu? Et en plus, c'est ouais. Super beau les haricots. Les haricots, ouais. Les... Bah regarde, après j'ai encore toutes ces feuilles à caler. Ouais. Oh, ça te fatigue de voir mes feuilles. Oh, ça m'ennuie. Non. Oh, ouais, oh je transpire. Un autre thème, allez. Allez, vas-y, je te donne un thème. Bah, attends, il y a les autres listes. Attends, okay, moi, je vais vous dire ce que j'ai. Ah, mais attends, j'ai une liste exprès de bouffe, alors, je pense que... De bouffe à l'art. Ouais. Mais après, tu vas avoir faim. Me dit, mais d'ailleurs, pourquoi ce nom de streameuse, Camille? Eh bien, c'est simple. Qui c'est qui t'a dit? C'est Kevin. Ah, Kevin. Vas-y. C'est simple. Quand je jouais à World of Warcraft, c'était mon pseudo. C'est super simple et basique. Voilà. Et je l'aimais bien. Et du coup, voilà. Je le garderai peut-être pas pour toujours parce qu'il est un peu long. Ouais, j'en ai marre de copier Fit Goldfire Po là tous les jours. Hein. Ou alors on pourra m'appeler juste Gold. Ouais, quand t'auras gagné suffisamment de money. Voilà. Quand tout mon bureau là sera repeint avec des feuilles d'or. Ouais. Recouvert de feuilles d'or. Ou Fire en fonction de si tu. Le feu. Bah ouais, si un jour je pète un câble et fous le feu à mon appartement. sur Minecraft. Ouais. Alors, ok. Alors ça se casse. Moi j'y suis presque. Il se presque. Allez, vas-y, je pars ça. Funny man, money, dit Kevin. Must be funny. Tu me fais marrer avec ton message ce matin aussi, Kevin. Quand tu disais les deux Twitch... je sais plus comment tu l'as dit. Ah, 2K, là, c'est ça? Non, attends. Non, c'était pas 2K, 20K, je sais plus. T'as dit, c'était... Attends. C'était quoi? C'était... Les deux Twitch Money Streamer. Ah oui, pourquoi j'ai lu deux? Pourquoi j'ai lu deux cas? Bah c'est ton objectif, Camille. Ou alors c'est ce que je touche déjà. Ah bah... Ouais. Pas du tout. Avec ton autre boulot. Oui, voilà. Oups. Alors, ça, c'est comme ça. Mais... Non, ça va être chiant. Alors, on va juste vous cacher le petit bonhomme de chemin. Anto me demande si je lis des livres en ce moment. Alors... Camille lit des livres. Eh oui, parce que c'était mon activité au départ. Où sont-ils? Oui, bougez pas. Mais attends, j'ai oublié d'enlever mes écouteurs. Ah merde, faut que j'aille chercher un mouchoir, les amis. Est-ce que j'ai... J'ai de quoi... Me sustenter. Je crois pas.
J'ai pas de... La révélation de K streameuse avec 6 joueurs en moyenne, la vérité éclate au grand jour. Et ouais. Et oui. En fait, j'ai des dons cachés hors stream. Non, j'ai pas. Bon. Alors. Mais c'est des livres. C'est des romans jeunesse plutôt. Hein. Et je lis ça. Que j'avais déjà lu, mais je le relis parce que le tome 3 est sorti. Et que du coup, j'attends d'avoir fini de lire à nouveau le tome 1 et le tome 2 pour lire ça. Voilà. Et j'ai ça que je vais commencer là sous peu. Okay. C'est le dernier roman de J.K. Rowling. Rowling ? Ouais, Rowling. c'est un genre Harry Potter. Il est trop, la couverture elle est trop belle. Et en fait, et ça s'appelle Jack et la grande aventure du cochon de Noël. D'accord. Et en vrai, ça a l'air vraiment très chelou. Et mais sinon, hein, j'ai un roman comme ça, de romantique. C'est ça. Attends, c'était quoi déjà le thème? Je crois que ça avait fait polémique, il n'y avait pas une histoire comme ça. De quoi? Sur son héros, là. Je sais plus, il y avait une histoire, une polémique à la con. Pas sur le dernier livre, là. Ah, là c'était sur son précédent? Je me souviens pas d'une polémique sur un de ses... Spécialement sur un de faudrait que je retrouve, mais ouais. J'avais entendu un truc à la con. Mais c'était un truc qui a pas... Ça servait à rien. Ok. Mais je sais plus ce que c'était. Ouais, non, ça me dirait. Et du coup, et puis maîtresse d'école, on sait tous que c'est 4K par mois sans les primes. Oui, bah oui. On sait tous. Ouais, c'est hyper bien payé, hein. Mais quelle prime! C'est d'ailleurs pour ça que vous faites grève à chaque fois pour gagner la rentrée. Bah oui, c'est ça. Écoute, moi j'ai même pas entendu parler de grève cette année pour l'instant. C'est vrai? Ah, je sais que. Enfin, en fait. Bah écoute, vas-y, je sais qu'il y en a eu. Voilà, c'est bon. C'est bon. Hein? T'as entendu parler de grève? Je sais qu'il y en a eu, mais personne ne les a fait dans mes écoles. Moi je suis trop content, il y a une grève des AESH et je trouve que c'est. Voilà, on démarre, vas-y, Opéra démarre quand je parle. Ah oui, la grève des AESH, oui. Ouais, je trouve ça génial que ça soulève enfin. Alors c'est vrai, mais. Ça fera jamais rien. Tu penses? Ouais. Pourquoi? Bah parce que malheureusement ça bouge pas quoi. Et c'est un métier hyper dur et pourtant il y a rien. Mais en fait c'est parce que derrière il y a pas de formation en fait. C'est parce que derrière il y a pas. En fait il y a pas de diplôme qui mène à. Enfin, alors si tu peux avoir des diplômes qui facilitent l'arrivée dans le métier, mais ça requiert pas de diplôme et du coup bah mais malheureusement c'est dommage hein, franchement parce que c'est un métier ultra dur. Bah ouais je trouve. Mais malheureusement elles sont... enfin voilà, je sais pas quand ça va s'améliorer quoi. Et Tanguy qui demande si le héros c'est monsieur monsieur Ichan. C'est qui monsieur Ichan? Parce que l'histoire, c'est l'histoire de Jack. Je te laisse chercher. J'ai pas du tout la ref. Si. Mais si, tu l'as. Jack Ichan. Ouais. Oui. Ok. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Ah. Ben, ça va, je suis pas si con à ce point. Bah non, mais parce que t'as dit Jack Ichan. Et du coup, j'étais. Mais Fabien. Ouais, mais ça m'a. Mais j'ai pas compris pourquoi le héros de. Ah! Parce que c'est Jack. Ah, mais il est malin, Tanguy, et moi je suis con. Alors. Que le petit bonhomme.
Jackie Chan, c'est pas un danseur asiatique. À peu près. Mais d'ailleurs, c'est drôle, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu parler de Jackie Chan sur du dessin animé sur Twitter. Et c'est là que je me suis dit que j'aimerais bien le regarder. Bah, je crois qu'ils vont faire un remake avec Jackie Chan de Pirates des Caraïbes, ça s'appelait Pirates de la mer de Chine. Quoi ? Elle est nulle à chier cette blague. Mais c'était une blague parce que ça aurait pu être vrai ! Ah, non, non, c'était une blague de merde. C'était juste une blague de merde. Bah écoute, ça aurait pu être complètement mal. Est-ce que tu irais voir un film avec Jackie Chan sur des pirates? Moi oui. T'es vrai? Complètement. Jackie Chan, please. Je n'ai pas fini. Ouais, non, mais moi j'irais le voir dans n'importe quoi, Jackie Chan, le pire des navets. Ah. C'est vrai? Jackie Chan, c'est un peu mon. C'est un peu mon deuxième Batman, quoi. Sauf que lui, wow. Il existe vraiment. Ton deuxième Batman? Pourquoi? Non, mais je veux dire c'est un héros, ah, tu c'est, vois. C'est mon deuxième Batman. C'est ça, parce que Batman c'était mon héros mais d'enfance. Je sais. Mais voilà, moi, bah, Jackie Chan c'était mon héros. D'héros en héros. Ah ouais. Illico. J'ai un problème. J'ai un problème. De peinture. Et il y a Rush Hour qui dit Kevin. Il y a Rush Hour. Rush Hour. J'ai jamais trop regardé moi ça. Ça sonnait comme un film trop d'action, c'est ça? Pour toi. C'est ça? Pourtant, ouais, mais ouais, je pense. Je pense que c'est ça en plus. Je dis ça parce que je l'ai pas vu non plus. Hein. Oui, oui, oui. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai pas vu. Ouais. C'est un film de voiture. C'est un film qui se passe dans les bouchons. Non, mais parce que... Tu connais le jeu pour les enfants, Fab, qui s'appelle Rush Hour, oui, ou pas? Oui, oui. Et, voilà. Et du coup, en fait, tout le film, c'est... C'est des, c'est une voiture qui essaie de sortir, se passe, là-bas. Se passe sur un parking... Et ils sont tous garés en bataille un peu à la con. Et du coup, Jackie Chan, il arrive, il saute sur les voitures et il guide tout le monde vers la sortie, mais ça dure assez longtemps. Hein. Mais en même temps, du coup, il rencontre des gens. À chaque fois, du coup, c'est intéressant. La première qui sort, tu vois, c'est la fille du maire et tout. Alors du coup, il dit, ah, mais vous êtes la fille du maire. Mais bon, maintenant, bougez votre caisse parce que franchement, j'aimerais sortir. Et lui, il est pressé et tout. Et ça dure une heure et demie. Et après, il arrive en retard. Après, il dit, mais ouais, mais c'était le bordel sur le parking. Comme dans le jeu Rush Hour. C'est là qu'il place, tu vois, le jeu. C'est un placement de produit tout le long. Mais à la fin, il dit, c'était comme dans Rush Hour, le jeu, tu vois. Et bam, et placement de produit. C'est vachement drôle. Kevin il dit, ah on est mal, ce soir je peux pas jouer, je vais chercher mon âme. Parce qu'on a détruit l'idée de son film. Non mais bon, voilà. Je critique pas du tout, c'est juste que bah c'est pas ma tasse de thé. Ah moi je critique, c'est un très très bon film, Rush Hour, tel que je l'ai pensé là. Il y a moyen, je vais ah ouais, j'avoue que là il fait envie. Hein. Là, t'as envie de le voir. Ça fait donc deux scénarios en un soir pour Fabien, l'inspiration est au rendez-vous. C'est fou, c'est vrai, c'est fou. On est pas mal là. Vas-y, citez-moi un film que j'ai pas vu, je vous improvise un scénario. Ah bah, c'est quoi le film dont t'avais parlé, Kevin, l'autre jour? Non. Ah, je sais plus, c'était une meuf. Si tu trouves Kevin, tu me dis. N'hésite pas. Ça c'est cool ça. Comme rêve de couleur.
Attends, Torgon, regarde le stream ce soir, vient vers 23h. Là, il est chaud. Oui, c'est vrai. C'est vers 23h que tu fais le meilleur van. Ouais, ouais. J'ai peur de dire le film. T'as regardé la vidéo au fait, Camille? Ouais, oui, oui, j'ai regardé un petit bout. Comment il s'appelle le jeu? Tu sais, Fab, c'est Kevin qui parlait du jeu là. Ouais. Le JDG qui jouait. Ça donnerait quoi la cinquième vague? Ouais. Pour toi, Fabien. Alors, la cinquième vague, je l'ai vue, mais je vais faire comme si je l'avais pas vue, ok? Ok. Alors du coup, la cinquième vague, ça se passe, tu vois, côte californienne, par l'été, tu vois. Et d'ailleurs, c'est starring Jean Dujardin à Caprice de Nice, un petit moment. Oh, putain, j'étais sûr. Ils ont fait un petit, il a fait un petit caméo parce que c'est un Français, faut pas abuser. Mais dedans, du coup, il y a Donald Trump aussi qui fait son caméo. Et du coup, ils l'ont viré. Comme d'hab, hein. Ils l'ont viré dans la deuxième adaptation. Parce qu'en fait, c'est une réunion de tous les blonds californiens et français, du coup. Il va parler du Covid, pitié, arrête. Arrête-le. Donner des vis. Non. Non, pas Jean Dujardin, non. Mais c'est juste un caméo, t'inquiète pas, on le voit 5 minutes à un moment. Mais vraiment dans le fond, parce que faut. Voilà, mais c'est parce que ça a été un peu produit par Pathé, donc fallait aussi rentabiliser le truc. Mais sinon, le gros du truc, c'est par la Paramount. Forcément. Et donc du coup ça se passe sur les côtes californiennes, mais ça n'a pas été filmé vraiment sur les côtes californiennes, ça a été filmé en Corse, parce que bon, ça coûte moins cher de privatiser des plages. Et donc toutes les vagues que vous verrez, elles sont faites en CGI. Et même du coup les surfeurs, c'est des images de synthèse. C'est assez balèze hein, quand même. Hein. Voilà. Mais bon, du coup, il n'y a pas trop de vagues. Et du coup, ils sont un peu dégoûtés cette fois, parce qu'en fait, en gros, c'est un concours de surf. Tu vois, Camille? Oui, Kevin, il dit, Camille, fais quelque chose. Je fais partir tes viewers, je vois, ça a descendu. Non, c'est un concours de surf, et du coup, il y en a un qui s'élance, le premier, là, et il surfe la seule vague. Qui passe et ils font putain, c'était la première vague, elle était trop bien cette vague, et en fait après il y en a plus pendant au moins une demi-heure de film. C'est un moment de ventre mou, tu vois, à ce moment là du film. Et du coup à ce moment là bah ils sont sur la plage, ils papotent et tout, ils font putain mais comment on va faire ce concours sans vague et tout. C'est une histoire vraie, hein, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est inspiré aussi du film Happy Feet, je sais pas si vous avez vu, c'est un remake d'Happy Feet, des pingouins qui font... Non, pardon, c'est les Rois de la Glisse. C'est pas Happy Feet. C'est les Rois de la Glisse. C'est un remake des Rois de la Glisse. Vous savez, les pingouins qui font du surf, là, voilà. Du coup, oui. mais fait avec des humains, là, du coup. Ah oui. Et du coup, voilà la deuxième vague, voilà la troisième vague, voilà la quatrième vague, et notre héros, il est toujours pas passé. Et là, il fait, putain, je vais pas avoir de vague, et je vais pas pouvoir réussir mon concours, et tout comme ça. Du coup, il y a le gros stress, tu vois, la tension elle monte, il prend sa planche, il attend la vague et tout, que ça, elle arrive pas. Surtout qu'il y a un requin qui arrive et tout pour faire un peu plus de tension, tu vois, il fait putain, faut que la vague elle arrive là, sinon je vais me faire croquer. Ça se passe comme ça dans les Rois de la Glisse, tu vois. Bonsoir, Taverne de Bon. Et là, salut. Paf, la cinquième vague surgit vers l'horizon, et hop là, il est emporté, et il gagne le concours. Voilà, je vous ai spoilé la fin, mais ça, en même temps, c'est un vieux film, vous pouvez... Salut Taverne Le Bon, comment vas-tu? Tu arrives vraiment pendant un moment. Un moment d'impro spectaculaire. Voilà. Du coup, si t'as envie d'entendre ça, n'hésite pas à proposer des films à Fabien, qui les décrira avec grand plaisir. Même si je les ai vus... Adieu 7ème art, fuyez pauvre fou, a dit Kevin. En plus, je donne les pires refs à chaque fois, c'est trop drôle. Oui. Alors. Bon, alors, pour info, tout à l'heure. Meilleur moment. Tout à l'heure, j'ai dessiné ça. Voilà. Hier, j'ai dessiné. Non, bah, hier et aujourd'hui, j'ai dessiné ça. Je n'étais pas très inspirée. Voilà. Et là, du coup, pendant que Fabien dessine, ben, je vais faire un autre petit thème. Voilà. Comment vas-tu, Taverne Le Bon?
Putain, je dessine pas droit. Encore un des meilleurs pseudos, hein. Michael Bay, ouais. Michael Bay, Steven Spielberg face à Fabien. Ouais, non mais... moi, je leur pitch des films, hein, vous inquiétez pas. Hein. Si je le croise, je fais hey, « Eh, les gars, j'ai Ah bah oui, films. Pitié. Le film Le Joker, par exemple, c'était impressionnant. Ils ont fait quand même 2 heures de film sur du jus d'orange. C'était balèze, hein. Fallait le voir. Non, j'ai failli rigoler, hein, j'étais... Putain, j'étais en train de faire un trait, il est devenu tout tordu. En plus, c'est un long trait, ça fait 5 fois que je le recommence. Découvrez les meilleurs classiques cinématographiques avec Fabien. Très bien, merci. Et vous, les gens, comment ça va? Eh bah, écoute, pas mal. Ouais, ça va génial. La colline a des yeux, bon, c'est pas fou, c'est inspiré de Dora l'exploratrice. L'épisode où elle parle à une colline qui a des yeux. Et franchement, c'était pas la peine de faire un film là-dessus. Hein. Starring le personnage. C'est pas bonne couleur ça. Hop. Non, mais c'est toujours pas bonne couleur, c'est pas bon. Oula. Les ravages de la célébrité. Non. Ok, on va gommer. C'est quoi ma gomme là? Ah ouais, c'est drôle. Quoi ma gomme? Qu'est-ce qu'elle a ma gomme? Elle ne gomme pas. Ouais, c'est bizarre. Ok. C'est vraiment un truc classique à la con que je fais. Hein. Classique à la con. Classique à la con. Les plus grands hits. Bah si tu veux, Taverne Bon, donne un film et puis je t'improvise un truc. Je suis chaud là. Je suis chaud, faut me lancer, hein, si vous voulez vraiment que je continue. Et bim, musique dans la tête. Musique de... J'ai loupé un... Bah quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule, je crois. Ah pardon. Bon, je suis à l'ouest. Ce que je dessine, c'est un chai latte. Mais ça n'existe pas. C'est encore un truc de chez Starbucks. Arrête Camille d'inventer des trucs qui n'existent pas. On t'a dit déjà. Le médecin il t'a dit. Starbucks là. Ils vont porter plainte, les gens ils viennent demander des trucs, ça n'existe même pas. La guerre des mondes, bon je l'ai vu. Hein. Du coup je vais improviser un truc sur la guerre des mondes. C'est chaud là, la guerre des mondes. Alors, c'est du coup le film tant attendu. Qui a été fait du coup par le passé mais qu'on a un peu oublié, c'est du coup la guerre de deux univers qu'on connaît très bien, c'est le MCU et le DCU. Du coup c'est la réunion des deux univers de super-héros, c'est donc deux mondes totalement différents qui rentrent en collision et du coup c'est hyper balèze, c'est genre l'Avenger de la Justice League, enfin c'est un mélange des deux trucs. Et comme ils n'avaient pas tout à fait les droits pour les super-héros, ils ont renommé tous les super-héros par des noms de merde. Donc genre, du coup, ils ont appelé ça la guerre des mondes et pas la guerre des univers étendus, voilà. Et dedans, du coup, ils ont renommé Batman, ils l'ont appelé chauve-souris homme. Ils ont tout francisé le truc. Et du coup, ça se passe pas aux États-Unis, mais ça se passe à Auxerre. Je sais pas pourquoi. Mais ils ont décidé de faire à Auxerre. Et pour des raisons de budget, certainement. et donc, c'est ça, la guerre des mondes. Et par exemple, Iron Man, bah, c'est comme du coup, ça a coûté trop cher, c'est juste du bois man. Parce que du coup, on a beaucoup de bois en France. Bah, ça a pénurie en ce moment, mais à cette époque-là, c'était pas mal et tout. Et du coup, c'est bois man. C'est un petit peu moins stylé, mais bon... Oui, en comic ça a existé, par contre, c'est vrai. Je pensais. Excellent.
J'ai vu le film, c'est exactement ça. Sinon, la guerre des mondes, super, super film. Mais beaucoup de problèmes de budget hein, dans ces films-là, hein, à chaque fois. Star Wars. Ouais, mais c'est ouais, mais là je vais avoir du mal hein, à improviser un truc. Faut être honnête. Non, un film que t'aurais pas vu. Star Wars. Bah c'est un film historique. Star Wars, c'est un film historique sur pendant la guerre froide. C'est au moment où les soviétiques et les États-Unis ils sont au pic de leur tension. Du coup, quand ils ont tous les deux l'arme nucléaire, et du coup, le président des États-Unis décide de créer du coup un truc qu'ils appellent la guerre des étoiles, parce qu'en gros, c'est une sorte de bouclier avec des satellites. Et ça, c'est vraiment un truc historique, par contre, c'est pour ça, ça s'appelle vraiment comme ça. Et donc, c'est un film qui traite de la NASA qui bossait un peu dans le stress parce qu'il fallait se dépêcher au cas où les Soviétiques ils envoient le truc. Et en parallèle, il y a à côté des Soviétiques, on suit un gars qui du coup, doit envoyer la bombe nucléaire si jamais les Américains ils attaquent. Et donc du coup, un jour, il y a les radars qui se mettent à clignoter, ça c'est véridique, je vous dis que l'histoire vraie par contre pour de vrai là. Et du coup là, il doit riposter, et il décide de renoncer, il dit non, je vais pas le faire, et tout comme ça. Parce que j'ai pas envie au pire c'est pas grave, nous on explose, mais au moins ça détruit pas le monde entier. Et en fait il a bien fait parce que c'était un bug de radar, et on découvre ça à la fin. Ah mais oui, bien sûr, je connais cette histoire. Ose dire ça à la Comic-Con. Ouais. Voilà. Mais Camille, tu connais très bien Star Wars, toi. Moi, j'adore. Mm. Tu veux savoir quelle note je donne à Star Wars, moi? Oh putain. Kevin, il va. Vas-y, vas-y. Alors, attends. Je me souviens. Je crois que sur une échelle. Sur une échelle de Jacob. Sur une échelle de 0 à 1690, je crois que c'était moins 1394. Ah ouais. À peu près. C'est ouf. Pour de vrai, je suis gros gros fan de Star Wars. Mais moi aussi, je suis gros fan de Star Wars. Non mais, alors. Et par contre, ce que je viens de vous raconter en impro là, c'est que des histoires vraies aussi, pour de vrai. Mm. Ouais, je la connais cette histoire. Mais du coup, oui, je suis loin de détester Star Wars. C'est juste que je suis pas aussi fan que d'autres gens déjà. Ou ouais. Que je suis pas aussi fan de ça que d'autres films. Les films de Jacob, déjà, un très bon film, ouais. C'est la suite de Rabbi Jacob. Vas-y, continue, t'es lancé. C'est trop tard. C'est horrible. Retard, Fabien. J'ai l'impression que je détruis des films comme ça. Non. C'est la suite de Rabbi Jacob, tu sais, où on le quitte, où il danse et tout à la fin du film. Ouais, je m'en souviens. Et du coup, là, on enchaîne tout de suite après, où en fait, il se fait prendre que c'est pas en fait un vrai. Ouais, ouais. on voit que c'est pas un vrai rabbin, et du coup, il se fait prendre, mais du coup, il doit se dépêcher. Parce que. Et il se retrouve à Jérusalem. Et il court très très vite, hein, voilà. Et du coup, il y a des super plans à Jérusalem. Et il arrive à Jérusalem, et là, du coup, il y a une masse de juifs là-bas qui se mettent à. Du coup, c'est une masse un petit peu comme. Vous avez vu World War Z? C'est un peu pareil, tu vois, qui poursuit parce qu'il trouve ça hyper dégradant qu'il les caricature comme ça. Et d'ailleurs, c'était assez impressionnant pour l'époque, parce que de finesse, il disait, genre, ça c'est tout fait en pâte à modeler, hein. Donc c'est impressionnant, quand même. Et du coup, le truc, il continue à courir, et là, il se dit, putain, là, je sais pas si vous savez, il y a l'échelle de Jérusalem, c'est une échelle que tu dois jamais enlever, ça c'est une histoire vraie, par contre.
C'est parce qu'on ne sait pas qui c'est qui l'a mis là, et ça fait des millénaires qu'elle est là, et pour blesser aucune religion, personne n'ose l'enlever. Et là, du coup, ils vont... Ça se trouve, c'était juste un mec qui venait refaire la peinture, quoi. Peut-être, mais en tout cas, voilà, dans le film, ils exploitent ça au maximum. Là, genre, Rabbi Jacob, il arrive devant l'échelle, il se dit, putain, ça va m'en servir pour m'échapper, je vais monter sur le toit, et là, ils pourront pas me suivre comme ça. Il monte sur le toit, comme ça, et après, il y a une référence au hussard sur le toit. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un livre où le gars, il vit sur les toits de Manosque, ouais. et pendant qu'il y a une épidémie, un peu comme le Covid à l'époque. Et du coup, là, il vit pendant une semaine ou deux, donc après c'est cuté, des cuts très très rapides. C'est long. Mais du coup, il attend après que les juifs se calment. Les juifs sont calmés, sont rentrés. Et du coup, après, il se déguise. Il se dit, je vais changer de déguisement parce que voilà, déguiser les juifs à Jérusalem, sachant qu'on connaît et tout comme ça. Du coup, il change totalement de déguisement. Il se déguise en chèvre. En chèvre. Et là-bas, les chèvres, elles sont... les chèvres, elles sont vénérées pour leur... je sais pas pourquoi. Elles sont vénérées pour leur lait, j'en sais rien. Mais je sais pas. Mais en tout cas, elles sont vénérées là-bas. Et du coup, ça devient un nouveau prophète et il crée sa nouvelle religion. Et là, ça va beaucoup trop loin et je vais m'arrêter là. Waouh. Ouais. Waouh. Ah, c'était dur. C'était dur. En, là, vrai, vous... en vrai, c'est super drôle. Ça part trop loin. Retrouver les meilleurs films de Fabien. Pour le fromage, je pense. Ouais. Mais oui, bah c'est sûr. J'aime bien en fait, finalement, je place des trucs culturels dans mes impros. Oui, non, mais c'est très, ouais. Vachement bien. Oula. Il y a une drôle de gueule, ma tasse. Quoi, ma tasse? Et d'ailleurs, à la base, c'était l'échelle de Rabbi Jacob, mais du coup, ils ont changé le nom pour pas blesser tout de suite. Pour pas blesser tout de suite, mais genre plus tard. Bah non, mais pendant la promo, ça pose problème, tu vois. C'est après, okay. Une fois que le film est sorti, c'est pas grave, ils ont empoché l'argent, tu vois. Ah, mais bien sûr. Meilleur moment du stream, c'est un pro. Mais je suis chaud, hein. C'est un pro en général. Allez-y, hein, proposez, faites-vous plaisir. Si ça vous saoule, vous me dites d'arrêter par contre. Hein, ça nous saoule pas. Kevin, il a rage quitte, je crois. Alors. Tu penses quoi de mon dessin, Camille? Déjà. Je vais venir le voir. Après, je vais travailler plus l'éclairage, mais. Ouh! Très très stylé. C'est drôle parce que l'année dernière, j'ai fait faire à mes élèves ce. En vrai, pas la même chose parce qu'évidemment, c'est pas la même qualité, mais genre vraiment un truc dans ce style en fait. Ouais. Parce qu'on lisait Jack et le haricot magique. Ah. Best. Best conte, comme je disais. Ouais. Mais putain, je trouve pas ce truc. Ça vient d'où? Si vous avez déjà bu un chai latte. Je sens le côté obscur en moi monter. Fabien. Ça te frustre à ce point? Camille, arrête. Au pire, donne un film que t'aimes pas, comme ça. Ah ouais, donne un film que t'aimes pas, moi je vais le rendre trop bien. C'est quoi le film que tu détestes, Kevin? C'est genre, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, par exemple. Qu'est-ce qu'on a fait au banjo? Au banjo. Mais, c'est fou, ça. Un film que t'aimes pas. Ah, il aime tous les films. Merde, il y a forcément un film que t'aimes pas. Ouais, quand même. Te fous pas de ma gueule, Kevin. Waouh. Merde, on voit pas.
Est-ce que, Kevin, tes parents, ils t'ont appelé comme ça parce qu'ils avaient adoré Maman, j'ai raté l'avion? Parce qu'il y a eu un boom de naissance après Maman, j'ai raté l'avion de Kevin. Ah ouais? Ouais, véridique. Bienvenue chez les ch'tis, vas-y, lance ton sel, t'as le droit. Ouais, mais là, c'est compliqué parce que Bienvenue chez les ch'tis, c'est vraiment le scénario dans le titre. Donc, ouais. Ouais, c'est pas faux, hein. C'est pas ouf, je peux pas faire grand-chose, là. Ouais, en vrai, moi, en plus... Ouais, alors, vas-y. En plus, je veux dire, pour le coup, de tous les films du genre qui sont sortis, les films français à oui, la con qui sont sortis, détesté. Je trouve, ouais, c'est celui qui était le moins con. Intouchable était très, 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 très bien. Ah oui, non, pardon. Oui, mais c'était pas le même genre. Bientôt un nouveau remake de Maman, j'ai raté l'avion. Ah ouais? Tiens, bah vas-y. Bah pareil, c'est encore un film qui a avec le titre dans le... Enfin, le scénario dans le titre. Ouais. Attends, je cherche. Ah merde, c'était là, c'était lui. Harry Potter et la chambre des secrets. Mais je crois en plus j'ai déjà fait ça. C'est vrai? Je crois que j'ai déjà fait. Non, c'est ouf. Astérix Obélix. Ça peut vouloir dire tellement mais de pareil, choses. Mais pareil, Astérix Obélix au JO. Mais arrêtez, je peux pas. C'est. Ouais, Harry Potter ça aurait marché en vrai. Allez, bon, Harry si Potter. Tu l'as déjà fait. Harry Potter à la chambre des secrets, ouais. Bah, je crois que j'étais parti dans un délire. Il mettait des petits mots. Enfin bref, c'était pas fou. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non mais tu vois, des trucs genre très très cérébral, ça marche bien. C'est très drôle. Ça fait pas ce que je veux là. Venom. Tenet, il propose. Ah, Tenet. Tenet, c'est pas mal. Alors, ça se passe chez un opticien. C'est sponsorisé par Atoll, les opticiens. Enfin, ils ont fait un placement de produit. Ils ont tout mis là-dedans. Du coup, c'est Adriana Carambeu qui joue pas d'ouf bien, en vrai. Voilà. Et qui du coup, qui voit pas grand-chose. Et d'ailleurs, ils ont fait... C'est un peu chiant parce que c'est filmé à la première personne. Donc on voit pas beaucoup Adriana Carambeu, ce qui est un peu con, tu vois. De temps en temps, tu sais, elle se mate comme ça, donc on voit à peu près des parties de son corps, mais c'est pas... C'était un parti pris graphique un peu osé, mais en gros, ça veut dire que tout le début du film se passe flou, on voit rien, on voit pas grand chose, on distingue des formes et tout. C'est vraiment pour expliquer ce que voient ceux qui ont besoin de lunettes, tu vois. Et vers le milieu du film, vers une demi-heure, du coup, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui pète un câble qui dit putain, tu vois rien et tout, t'arrives même pas à lire. Va chez Atoll, les opticiens, là où il y a Antoine qui crie tout le temps, il y a aussi Antoine dedans. et du coup on croise Antoine en chemise hawaïenne. Qu'est-ce qu'il fait là, parce que du coup ça se passe à Paris, donc d'habitude il est tout le temps sur les îles, tu vois. Et d'ailleurs elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais là Antoine et tout. D'ailleurs elle le connaît, on se dit mais comment elle le connaît. Et du coup elle se fait faire des lunettes, et la deuxième partie du film elle est beaucoup plus nette, et là elle dit, on lui met des lunettes et elle fait putain Antoine t'es net, et voilà, c'est ça vient de là. Oh en fait. Putain. Waouh. Là j'ai dit waouh. Non mais en même temps les producteurs ils acceptent tout, hein. Tu sais, à partir du moment où le, tu sais, il y a une marque qui donne de l'argent, ils disent ouais, bon, on peut le faire, on le produit ça. Eh oui. C'est un peu le problème de la production cinématographique, tu vois. Tu l'as pas vu toi, Tenet? Moi non. Moi, par contre, j'ai vu vraiment le vrai film. Ouais, oui, bah oui. J'ai pas mal de films à rattraper, je sais. C'est pas très net ton histoire. C'est pas très net ton histoire, exactement. Je
J'espère que vous clipperez parce que j'aimerais bien les retrouver, hein, ces quatre. Ouais, j'avoue. Le pire, c'est que quand j'ai dit des trucs un peu cérébrales, j'ai pensé à Tenet. Hein. Et il est Ah ouais? sorti dans le chat. Ouais. C'est ça qui est fou. C'est mieux comme ça. Oh, merde, j'avais oublié que j'étais en ne pas déranger. Ah, il y a peut-être une urgence. Ben, c'est possible, mais non, c'est bon. Non, non, c'est ok. Ah, j'ai plus de musique. Faut que je m'enlève de musique. Où est la... Arrêtez-le, où est la police du cinéma? Terrible. Et le problème, c'est que je suis dans mon droit, hein, le droit à la parodie. Hein. Mais, d'accord. Juste arrondir un peu ça. Voilà. Et maintenant un peu de lumière. Mais oui d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs? Je me suis trompée ici. Ça se fait comme ça. Ah, demain je serai encore à la bourre. Ah, oh, mince. Parce que j'ai une réunion cette fois-ci, pas parce que j'ai des courses. Mais t'as trop de réunions, moi. C'est, ouais, c'est un enfer. Non, alors dans la même école, oui, mais c'est pas le même. Ils ont la réunionite. C'est masque là. Ouais. Ils ont le syndrome, ouais, de réunionite, ah ouais, pour de vrai. Ouais, ah, mais... Bah, de toute façon, oui, dans l'éducation nationale, oui. On va faire une réunion. Non. Ouais. C'est à quand méta... Camille et ses mères? Bah, écoute. Ah, en ce moment, c'est la méta Twitch. Ouais. Si vous voulez, la prochaine impro, je vous la fais en ASMR. Allez. Tu visais ou pas? Eh ben, bonne soirée, t'as fait fuir. Avec l'ASMR, t'as fait fuir Taverne Le Bon. Bonne soirée. Oh merde! Salut, salut. Salut, à bientôt! Je mange un truc trop trop bon ce soir. Ah ouais. C'est un potimarron avec à l'intérieur du qu'est-ce qui est du fromage. Ouais. Oh, pourquoi ça fait ça? Ah. Du fromage. Oh. Du fromage de chèvre comme dans l'échelle de Jacob. Ouais.
Non, genre, alors au départ ça devait être du Mondor, mais en fait il y en avait pas dans le magasin, donc on a pris du camembert et un peu de cocoyote pour mettre à l'intérieur. Trop bon. Go de Mac. Non. J'ai fait un BK moi. On va pas pousser mémé dans les orties. Ouais ouais ouais. Nous hier on a mangé de la pizza comme j'avais une réunion. Ouais. Donc faut pas abuser quoi. Mais toi t'as le droit hein. Ah Kevin, j'ai cru que tu disais à moi, je veux dire oui. Non, toi je t'autorise pas. Toi Kevin, voilà, t'as pas le droit. Kevin, merci. T'as pas le droit. Exactement. Techniquement, le droit est là, mais bon. L'envie. C'est pas là le truc en fait, c'est où? C'est ça? Non, c'est où le truc sombre que j'ai mis là? C'est ça? Non. Je suis pas sûre quel calque j'ai mis. Putain. Il y a une ombre quelque part et je sais pas d'où elle vient. Et moi aussi, bah, putain, quand même, il se passe la même chose en même temps. C'est vrai? Ouais, j'étais en train de chercher une ombre là. Mais c'est ouf! Ah, tu l'as trouvé? Ouais, c'est bon. Putain, moi je la trouve pas. Mais je la trouve juste vers tous mes calques. Attends, il y a des trucs chelous. Ah oui, carrément. Ça claque des portes dans le couloir. Ça fait peur. Oh là! Mais elle vient d'où cette ombre là? Elle est par-dessus ça. Mais c'est pas ça. Elle a enfilé son petit par-dessus. Non. Il est pas sur ces calculs-là. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. C'est vraiment le tout dernier truc. Mais pourquoi? Ah mais d'accord. Allume le PC vu le temps qu'il met à être prêt. Merci pour les 5 bits, Kevin. J'étais en train de lire ton chat et j'allais dire merci pour les 5 bits. Le réflexe de merde. Oui, mais tu sais que moi ça m'est arrivé la dernière fois aussi. Ah ouais. Oui. Exactement la même chose. Ah, c'est quoi ça? Je voudrais. Un bonhomme de neige. Ouais. Ou tu voudrais déjà être roi? Les deux. D'accord. Je pense. De Disney. Ouais. Entre le Roi Lion et la Reine des Neiges. Moi? Ouais. Ah, malheureusement, j'ai écrit mon Discord, mais j'aime pas le Roi Lion. T'aimes pas le Roi Lion? Non, mais c'est pas un manque de qualité. Enfin, c'est pas que j'estime un manque de qualité, un manque de machin, c'est juste. Moi, c'est trop triste. J'y arrive pas. Ah! Voilà, c'est tout. Ah. Mais c'est pas du tout. C'est pas du tout que je pense que c'est nul, tu vois, au contraire. Hein. J'ai peur. Ouais. Je suis désolée, t'as un peu peur. Non, mais après, ok. Donc, c'est. Non, mais voilà, c'est vraiment pas que j'aime pas en soi, c'est juste. Voilà. Ok, je respecte. C'est vraiment trop triste. Je respecte tous les handicaps. Oh putain. T'as le droit. Non. Non mais voilà, non mais c'est juste que j'aime pas être triste, c'est tout. Voilà.
Mais, enfin, tu... Oui, tu l'as vu, j'allais dire. Oui, forcément, si tu dis ça. Mais, oui, 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 j'ai vu. Il y a quand même un côté pas que triste dans l'histoire. Je sais, et je sais. Et je sais bien. Bien sûr. Mais je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Mais Kevin parle des Aristochats et Aladdin. Entre, ouais, entre Aristochats et Aladdin, j'irais, je préfère Aladdin. Moi, nostalgiquement parlant, je préfère les Aristochats. Mais c'est bon, t'as, après... combien t'as de chats chez toi, rappelle-moi. Mais même sans parler des chats, mais je me souviens de l'époque où je le regardais chez ma grand-mère, quoi. Alors, Kevin, non, Kevin, c'est pas que j'aime pas le Roi Lion. Je reconnais la qualité du Roi Lion, du dessin animé, des chansons. Du personnage. Je reconnais que c'est un excellent dessin animé qui a marqué beaucoup d'enfants. Que tout le monde aime, à juste titre, mais j'aime pas être triste, c'est tout. Mmh. C'est tout, hein. Tu regardes Doctor Who. Oui, non, mais bon. Non, mais alors, les animaux, ça me fait... Non, je sais. Oui, je sais bien. Les animaux, ça me fait encore plus mal qu'autre chose. C'est le deuxième Disney que j'ai le plus regardé. J'avais la cassette. Que j'ai toujours. Oh, trop stylé. Ah non, mais par contre, c'est excellent. Ça spoil. J'ai spoilé quoi? Le Roi Lion. Mais j'ai rien spoilé, moi. Si? J'ai spoilé, mais, non? Mais on peut pas spoiler le Roi Lion. Non, mais même, je veux dire, je crois que j'ai même pas parlé de l'histoire. Je sais pas, j'ai pas fait attention. J'ai juste dit que c'était joyeux à un moment. C'est un gros spoil, moi, je trouve. La plupart des Disney sont tristes, c'est vrai. Oui, mais alors je sais pas pourquoi le Roi Lion, ou alors j'étais dans de mauvaises conditions quand j'ai regardé. Qu'est-ce qui s'est passé, t'as mis dîner ou tout? Non, enfin dans les mauvaises conditions, pas du tout. J'étais gosse, c'est chez mes cousines, je sais que je l'ai regardé chez mes cousines. Ah, mais c'est genre. Celle qui te faisait celle des blagues. Celle qui me faisait croire que j'allais me faire enlever par un prêtre. Ah, mais c'était ça aussi, c'était le même jour, non? Non, parce que du coup. tu vas te faire enlever par un Roi Lion. Ouais. Oui. C'était chez mes grands-parents quand elle m'avait fait croire ça. Saleté. Ah, oh, c'est les meilleures cousines du monde, je les aime trop. Ouais, elles sont sympas, moi. J'en ai croisé plus. Ouais. Elles sont trop gentilles. Non, mais le spoil, ça a une durée limitée. À un moment, faut regarder. C'est quoi ça? Bonne ambiance. Pourquoi bonne ambiance? Parce que Kevin il lui a dit à un moment faut regarder le spoil, ça a une durée limitée. Ah oui. T'inquiète, Tanguy, moi je me suis fait spoiler l'intégralité de Squid Game. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ah ouais! Par ton repas? Ouais, par Jess, il me l'a spoilé, ouais. Entièrement. Tout le monde a vu, on peut spoiler ou pas? Non, mais en vrai, on passe pas. Ah, c'est chaud quand même. En plus, il y a des gens, ils ouais. Parlent pas dans le chat, ça se trouve, ils n'ont pas c'est vu. Vrai. C'est vrai. Ça aurait pu être la classique, t'es adopté, mais non, il faut que ça aille dans l'excès. De quoi? Il y a Mickey sur. Tanguy qui est surenchéri. On peut pas dire que je spoil Star Wars, Un Nouvel Espoir, ça a 44 ans à un moment. Ah oui. Ah bah c'est ça que je veux. Ah mais c'est parfait.
JPP. Ah, vous nous faites Jean-Pierre bien rigoler. C'est quoi votre chanson Disney préférée? J'ai regardé un résumé. Le ciné, c'est 6 euros. Quoi? C'est 12 euros le ciné. C'est pas 6 euros. Un résumé parce que c'est pas le genre de série que je regarderais, mais je voulais savoir de quoi ça parlait comme. Ouais. En vrai, c'est vraiment bien, hein, Squid Game. Après, moi, c'est foutu entre le fait que c'est pas genre. Comme pareil, c'est genre pas genre de série que je regarde. Pas trop. Bah, du coup, là, c'est du gâchis pour toi. Hein. Maintenant, c'est plus la peine de regarder. Oui, voilà, c'est ça. Et en plus, le fait que voilà, je me suis spoilé, c'est mort. Tout le truc qui aurait été cool, c'est la découverte de la fin en fait. Et du coup, oui. Fait spoiler, du coup, je connais la fin. Forcément. Fabien se fait arnaquer. Comment ça, je me fais arnaquer? Bah non, c'est vachement cher le ciné. C'est pâté, quoi. Ouais. Tu vas au pâté où, toi? Au ciné, tu veux dire? J'ai dit au pâté. Ouais. Tu vas au pâté chez le boucher. Chez le boucher. J'ai fait la même... Ouais, bah, bien joué. Je te serre la main, virtuellement. Je m'en vais de Frère des Ours. Quoi? Ah. Qui c'est qui vient de voir un Frère des Ours? Quelqu'un qui vient de voir Frère des Ours? C'est Tanguy qui dit je m'en vais de Frère des Ours. Par rapport à la meilleure musique, je crois. Bah, de toute façon, Phil Collins, juste. C'était Tarzan. Ouais. Demain, une seule famille. Lève ton cœur. Et le destin guidait toutes ses vies. Ah, Tarzan. Crois en ce qui compte le plus pour toi. Tarzan, c'est vraiment trop bien. Demande une seule famille. Lève ton cœur. Laisse ton cœur. Lève ton cœur. Lève ton verre. Et le destin guidait toutes ses vies. Pareil, Frère des Ours, ça fait partie des Disney que je ne regarderai jamais. Trop triste. Mais par contre, j'avais été le voir au ciné, j'avais adoré. Mais je peux plus regarder ça, moi. Et pourtant, La Reine des Neiges, tu trouves pas ça trop triste qu'elle perde ses... Ah, c'est pas pareil. Alors, et en plus, non, comme je disais, c'est les animaux, ça me fait plus de peine. Je suis en plein live. Ah. J'ai c'est qui t'appelle? C'est ma quelqu'un. Famille. C'est quelqu'un. Bah, le problème, c'est que si je décroche, j'en ai pour 20 minutes. Ouais, oui. Bon, après, c'est pas comme si j'avais 10 viewers. Mais bon. Mais... Par procuration. Oui. Oui, je vois ça. Je vois ça maintenant, ouais. Alors, par contre, j'ai remarqué un truc. Le premier live de la journée, du coup, la notification est là. Du coup, les gens sont là. Par contre, du coup, le deuxième live, et c'est pour ça que sur Stardew, bah, y a moins de monde, parce que le deuxième live, il n'y a pas la notif. Comment ça, il n'y a pas la notif? Et bah, en fait, j'ai comme l'impression que la notif ne part qu'une seule fois dans la journée. La notif de Discord? De stream. Non, pas le Discord, mais de Twitch. Ah ouais? Bah, j'ai l'impression... À voir, mais... Là par exemple, là j'ai eu ta notif, à voir si j'ai ta notif tout à l'heure aussi. D'accord. Oui, mais il est pas 20h08 là? Ah oui, 20h09 même. 9? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas ouf. Je sais pas ce que c'est une tirelire? Je déconne. Écoute, c'est de bonne guerre parce que j'ai pas deviné la patate de l'autre. Oui, voilà, je me venge. C'est ton truc que t'as inventé, là? un match à machin, là? Ton truc, là. Ouais, sorti de ton imagination. Hey, les enfants sont formidables, hein, franchement. Si
sinon, pas en pas Disney, Spirit, c'est le dessin animé de mon enfance avec les musiques aussi. Ah, mon frère, il le regarde souvent. Et vous savez qu'il y a une série Spirit en 3D qui est sortie là, qui doit être nulle à Yesh. Ah, bah oui, j'avais, il me semble avoir vu. Mais je dis ça, je l'ai pas vu. Ah, Kevin dit, on rappelle, Elsa, la première princesse LGBT, mais Disney n'a pas voulu pousser le concept dans le 2 pour pas se faire accuser de pousser une orientation sexuelle. Oui. Parce que bien sûr, il y avait certains parents qui disaient oh oui, mais si on leur parle d'homosexualité, nos enfants vont devenir homosexuels. C'est surtout qu'il y a des parents qui sont homophobes, qui avaient sûrement appelé leur enfant Elsa. Et qui se sont dit oups! Ouais. Ouais. Mais franchement, qui appelle leur enfant Elsa, ça? Non. C'est un très beau prénom, Elsa. C'est un magnifique prénom. Mm. Un des plus beaux prénoms. Ouais. Spirit Untamed, il a l'air pas mal en vrai. Ok. Quoi? Pourquoi tu dis ouch? J'ai la ref. Ah! Ah, t'as la ref. Ah, bah oui, ça bien va. Sûr, t'as la ref. Ah, bien joué. Ah, Moana, c'est beau. C'est quoi, Moana? Ah, le prénom! Ah, bah oui. Ah, non, c'est sûr. Non, mais c'est trop con en fait ce qui s'est passé. C'est dommage parce que de toute façon, Disney, qu'est-ce qu'ils en ont. Enfin. Je sais pas si. Enfin, est-ce que vraiment ils perdraient un public? Pas tu du vois tout. Enfin, voilà. Je pense qu'ils ont plus perdu. Bah, là, oui, ils sont plus mis en défaut que s'ils avaient fait le bon choix, quoi. Après, je préfère Anna dans ce Disney comme beaucoup, je pense. Bah, Anna est plus sympa. J'explique vite fait la blague pour Kevin que je viens de faire tout à l'heure. Ouais. En fait, ma sœur s'appelle Elsa. C'est pour ça que je disais ça. Oui. Mais ouais, Anna dans le dessin animé, elle est moins, bah, j'allais dire moins froide, mais aussi. Tellement. C'est vraiment pas voulu. Mais elle est moins froide, effectivement. Mais tu. Tu l'as vu pour de vrai ou tu fais semblant comme moi tout à l'heure? Alors, c'est l'histoire. La Reine des Neiges. Alors, c'est l'histoire. En gros, ça se passe dans un château. Et un jour, il neige beaucoup et du coup, ça bloque le pont-levis. Mais du coup, tous les gardes sont endormis. Et c'est elle qui est obligée de sortir la pelle. Donc c'est la Reine des Neiges devant le château. C'est le titre complet. J'ai pas vérifié, mais il me semble vraiment avoir deux visions pour les Disney, une enfant et une adulte. Oui, il y a toujours deux lectures. Ah oui. Chers amis. En fait, mon repas, il est un peu long à faire. Ouais, bah vas-y, hein. J'ai très peur d'arriver en retard. Moi, je suis pas prêt de finir encore, hein, donc vous pouvez. Ouais. Mais t'as mangé toi, c'est ok? Ouais, j'ai assez mangé ce midi. Donc, d'accord. Ben, on sait ce qu'on va faire, les amis. On va faire la meilleure chose. Oh là, ça raid? Ça se passe. Ouais. Bah attends, là c'est juste le meilleur raid, quoi. C'est vrai, j'avoue. Donc. Attendez, je suis en train de faire ça sur ma tablette. Vous êtes prêts à faire un beau raid? Aïe. Attention. Du coup, je vous c'est donne rendez-vous à 21h30. C'est donc sans la faute. Reine des Neiges. Ah oui. Et ça a été très drôle de t'envie. Tu ah pardon. Là. C'est une tempête à Nîmes où il neige comme jamais, c'est donc la Reine des Neiges. Bien joué. Ouais, très bien. C'est mieux bien que moi. Kevin, aïe. Mais c'était beau. On se donne rendez-vous à 21h30 pour du Stardew Valley pour
mon mariage, le mariage de Fabien, le mariage de Claire. Ouais. Et plein d'autres aventures exceptionnelles, puisque nous allons commencer une nouvelle année dans Stardew Valley. Donc ouais. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite bon appétit pour ceux qui vont manger. Et je vais raid dans 9 secondes. 8. Allez, embarquez pour le raid. Venez donc. Attention, on embarque. Vous êtes prêts? Attention, let's go. Attention. Oh là là, Camille! Camille qui me fait un raid! Waouh! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Oh non, pas un raid chez lui! Vous savez, Kevin, j'étais cancel par Kevin. Camille, oh à cause de mes impros. Ah, j'ai cru que t'allais dire à cause de ton avis sur la Xbox. Ah non, mon avis sur la Xbox était très bon, je crois. Non? Oui, il était très bon. Hello, pas ce monstre qui détruit les films. Arrête-le. J'arrête. Comment ça va, Tanguy? Oh, merci pour les 9 bits. Oh, faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Ça va s'arranger. Comme disait Benabar. Je disais comme disait un chanteur. Je voulais essayer de deviner, mais ok, vas-y, spoil. Mais c'est bien. Voilà. J'avais la ref. Je voulais montrer que j'avais la ref. Et là, c'est bien joué. Bien joué, Camille. Bien joué, toi. T'as un bon point. Merci. Un cookie. Un petit cookie. Allez. Bon les amis, bon appétit, profitez bien, moi je vais laisser le stream ouvert, je t'entendrai peut-être pas tout le temps, mais je vais laisser ton stream ouvert, t'as bien. Oh c'est gentil, merci beaucoup. Voilà. Gros bisous, à tout à l'heure. Comment on signale une chaise s'il vous plaît? Ça va, comme au début du live, mais avec le ventre plein en plus. Oh trop bien, t'as mangé quoi? Ça reste un dessin très classique, mais du coup, moi, je travaille les lumières, donc j'essaie de jouer là-dessus. D'ailleurs, du coup, c'est mal fait, ça, ce que je fais. Tu sais pas ce que t'as mangé? Merde. C'est pas bon signe, ça. Pâtes avec des légumes, miam. Mais quels légumes? Ça c'est chaud. Du coup, t'es toujours sur Lyon? T'es en train de manger un McDo la dernière? Eh bien, wesh. Bon, j'en fous, j'ai mangé un BK ce midi et je m'en suis mis plein la panse. Yes. Trop cool. Faudrait qu'on se voit un de ces quatre. Tangouille. Creuser les nuages maintenant un peu. En soi, il faudrait vraiment que ça nique tout. Ouais, il faut s'organiser ça exactement. Alors, on va faire des petits rayons de soleil qui parcourent. Hein. On va
Ça manque d'une couleur complémentaire. Ah, c'est pas mal ça. D'ailleurs, comme c'est blanc, techniquement, il y a de la... Ici, là, il y a une zone de... Une zone de vert, vu que ça émet de la... De la verdure, un peu. C'est un peu magique, aussi, donc... Ouais, c'est un petit peu vert. Vous en pensez quoi de mon dessin? Il manque quelque chose là-bas. Hein. On va faire quelque chose là-bas, mais pour l'instant on est sur un truc un peu classique, comme je disais. J'aime bien la lumière. Faudrait que je me trouve un truc qui soit complémentaire. Je pense que tu vois, si j'ose mettre un peu plus de orange, on va tester. Et le vert il va pêcher. Attends, qu'est-ce que je vais voir si je pique la couleur. On va faire couleur. Ouais. Alors je vais juste récupérer la couleur du vert, la dominante. Donc on est sur quelle couleur? On est sur 9 1 C 02 C. Et ça, je vais garder ça. Et retourne sur couleur. Donc couleur. Voilà. Ça c'est ma couleur que je fige. Et par contre, mais ça faut arrêter. Hein. Faut arrêter de m'appeler. Je suis en live. Donc arrêtez de m'appeler. Mais bon. Je vais me mute, je continue à dessiner en même temps. Je me mute, je reviens, ne vous inquiétez pas. Ouais, du coup c'était Steven Spielberg, il me disait il m'attaque en justice pour cette diffamation envers tous les films là que j'ai diffamé de lui. Je suis un peu dans la merde maintenant. Oui, tes scénarios m'ont inspiré, je t'engage pour mon prochain film. Ouais. Ce serait fou ça. Et t'es Kevin qui fait non. Pourquoi? Pourquoi non? Tu es mon fils spirituel. Non, c'était juste mes parents. Ouais. Ça manque de quelque chose dans les nuages, il faudra travailler ça un peu. Ouais, d'ailleurs on va le travailler maintenant.
Allons-y, allons-y. Ouais, je vais mettre Pinterest, on va mettre dessin de nuage juste pour Drawing Cloud. Cloud avec mon super accent. On va se le mettre ici. Comme ça, j'ai votre retour. Ah non, mais vous êtes là en fait. Pas besoin de le mettre là-bas. Voilà. Ouais, il est sympa, Steve. Ouais, il m'a dit tu peux m'appeler Steve et tout. This is for anyone who ouais, on s'en fout. On s'en fout que tu parles. Pas obligé de parler. J'ai juste besoin de dessin. Ok, ouais, pas fou. Bon, voilà, on va se concentrer. Allez. C'est qui la star que vous avez rencontrée en vrai et vous étiez trop fier? Genre c'était vous avez dit putain trop content. Personne qui veut me répondre, ok. Donc vite, si les sujets que je lance, ils sont nuls. T'as rencontré Cynic en vrai? Voltage au RC. Alors, pardonne-moi, là, je connais pas du tout cet univers-là. Déjà, je sais pas ce que c'est. C'est quoi le RC? Le Racing Club? Ça. Ça marche pas. Tu regardes quoi comme dessin? Battle. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Mais ça s'appelle RC, ça, c'est pas du tout, ça porte pas du tout bon. Un super héros contre un méchant. Tu vas essayer de trouver un super héros contre un méchant. Attends, pardon. Un super héros contre un méchant. Allez, tu vas essayer de trouver. Je sais pas ce que je vais chercher. Et RC, c'est. Ah, c'est pour Rap Contender. Oui, c'est vrai, c'est ça. Un super héros contre un méchant. Plein. C'est le nom d'un dessin animé. Monstre contre alien. Putain de décalage. Oui, oui. Je sais pas par rapport à quoi. Ah oui. Ah, le dessin animé. Oui, d'accord. Oui, ok, ok, ok. Alors, le dessin animé que t'es en train de regarder, un super héros contre un méchant. C'est un dessin animé en super héros contre un méchant. Il y a un seul super-héros dedans? Un seul?
Un seul super-héros ou pas? J'ai besoin de cette réponse pour donner ma réponse. C'est le Hobbit, ça. C'est la comté du Seigneur des Anneaux, on dirait presque. Un, mais un deuxième qui vire méchant. Ah, mais c'est un dessin animé. C'est pas un Disney, c'est ça? C'en est un récent? C'est chaud que tu me l'aimes. C'est pas un Disney. Ok. C'est un super-héros contre un méchant. Putain, mais je vois pas du tout. Il y en a tellement, en fait, il y en a tellement. C'est un Sony? C'est... En général, il y a toujours plein de super-héros dans les dessins animés. Pas un Disney de 2010. De 2010, c'est un super-héros. C'est un DreamWorks peut-être. Alors si c'est un DreamWorks, ah je sais, c'est le mec Evil, le mec à la grosse tête, comment il s'appelle? Putain. C'est en 3D. Est-ce qu'il est en 3D? C'est comment il s'appelle? Il était trop bien celui-là. Putain, il n'y a pas eu de suite. C'était le mec violet avec une grosse tête là. Là c'était, je sais plus comment il s'appelle. Ça fait 2h20 que je fais des dessins, j'en ai marre. J'ai toujours pas colorisé ce truc. Faut que tu m'aides un peu. C'est un DreamWorks? C'est quoi le nom? Donc c'est bien ça. C'est... Putain, comment ils s'appellent? Putain... Je peux chercher. Juste, je tape juste le nom que j'ai en tête. Attends. DreamWorks. C'est... comment il s'appelle là, ce gars-là? C'est un DreamWorks du coup? Putain, il est vraiment éloigné alors que je l'adore ce film. Megamine? Qu'est-ce que c'est ça? Possible que ce soit Megamine. C'est
C'est Megamind, ok. Et un deuxième qui vire méchant. Après, Megamind, de base, c'est un méchant. Hein. Il devient gentil. C'est ça? Tu te fous de ma gueule? Non, c'est sûr que c'est ça? J'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. Il sera un petit requin, hein. Jack. Récupérer aussi. J'ai quelques vides là, ok. Ok, là il y en a un. Comment je vais faire moi? Ah, il est là. C'est celui-là qui me gênait le plus. Les autres ils sont assez discrets, mais lui il était trop présent. Du coup, on va. Ah non, c'est pas le bon, je sais plus. Merde. Ok. Ok. Ah, là il y en a un qui est intéressant. Ah, je vais faire lui.
Bon, j'aimerais bien changer maintenant le putain de... Faudrait que je trouve où il est. Où te caches-tu? Alors ça c'est feuille de devant, donc j'ai dû le mettre en dessous. Ah, tu es là. You are here. Voilà. Yes, c'est toi. C'est toi que je cherchais. Voilà. Forcément, c'est une connerie d'avoir mis aussi haut. Sous les feux. Déjà là. C'est le seul problème. Là, c'est encore mieux. Voilà. Et puis les feux de derrière aussi, ça fera l'affaire. Bon, déjà, on va rajouter. Nous, on va ouvrir un fichier et ça, on va prendre celui de compas. On va coller. À tout à l'heure, Kevin! Bon appétit. Enfin non, t'as déjà mangé toi. Chanceux. Va. Peut-être un petit peu trop présent. On peut faire ça et puis en fait de diminuer sur les endroits qu'on n'aime pas, genre là, c'est pas beau, là, ça fait un pâté dégueulasse. Voilà. Après sur les nuages ça va, tu vois, mais là par exemple, là, j'aime pas trop ce que ça fait. Là. Diminuer genre l'opacité juste là. Voilà. Du coup là faudrait que ça soit doré là, un peu que ça évoque un peu l'or, la richesse qu'il pourrait avoir. On le sous-entend. Mais elle est jamais montré. Un truc un peu doré là. Qu'on va. Bien sûr, incrusté, sinon c'est pas beau. Mais genre, là, un peu de jaune. Comme ça, là. Et c'est très discret. On évoque le truc. J'aime pas trop. Juste une petite touche comme ça, tu vois. Pas grand chose. Et puis on va se faire un petit truc pour fusionner tout ça. Filtre photo, par exemple.
Voilà. Là, on est sur un truc sympa. Donc, conservant l'humidité. Est-ce que vous pouvez faire ça ou ça? Ça raconte pas la même chose. Et en fait, j'ai trouvé ce que j'allais faire là. Parce que c'est l'appât du gain quand même, c'est la richesse, et du coup il voit briller quelque chose au loin. Un truc tout con. Juste ça. Voilà, il voit un truc briller au loin. Qui est en termes de construction, il doit être là, ou en contrebas comme ça. Contrebas. En termes de construction, c'est pas ouf. Je sais pas où placer. Là, peut-être là. Là, c'est pas mal. Ça active un peu le truc. Ce truc là est très très brillant et du coup il émet des rayons. Comme ça. Et du coup on va effacer les rayons. Vous me demandez des fois ce que je fais. Hein. Tout est calculé. Voilà. Ça émet des rayons. Et du coup, c'est ultra brillant. On se demande ce que c'est. Thank you.
Vous l'avez compris, je n'aimais pas les nuages. Et il n'y a plus de musique, c'est super triste. On va enchaîner avec ça. Ça c'est des nuages qui me conviennent un peu plus déjà. Voilà. Non, c'est la lumière sur lui qui sont forts. Du coup, je vais peut-être les mettre sur le calque. Même, il n'y a pas que ça. L'homme sous lui aussi. Au bout d'un moment, il va falloir que vous me disiez tu vas trop loin. Hein. Parce que vraiment, j'y mets trop du cœur pour du Inktober, sérieusement.
Ouais, ça va bientôt faire 3 heures. On va s'arrêter là, dans la lumière. Je pourrais y passer beaucoup plus de temps encore. Mais là, bon, on est pas mal là, hein. Franchement, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes encore là, si je vous ai pas fait fuir. Les amis, on se retrouve dans une demi-heure pour du Stardew Valley. Je fais une petite pause, mais soyez là, ça va être bien sympa. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Gros bisous. Salut, salut.